Bonjour à tous et bienvenue sur notre sixième webinaire des entraîneurs sur le thème du coaching entre les jeux spécial haut niveau. Avec nous pour échanger sur cette thématique, nous avons cinq intervenants. Mathieu Benoît, qui est préparateur et coach mental, notamment de Grégory Gauthier. Renan Lavigne, entraîneur national senior masculin du Pôle France d'Aix-en-Provence. Yann Ménégaud, entraîneur national junior du Pôle Espoir d'Aix-en-Provence. Mehdi Renaille, entraîneur fédéral du CER Île-de-France Squash 95. Et Philippe Signoret, entraîneur national senior féminin du Pôle France de Créteil. Le sommaire de ce webinaire donc reposera sur six questions qu'on leur a posées. Donc, quelle importance accordez-vous au coaching entre les jeux? Pourquoi? Avez-vous créé une ou des routines pour faire vos coachings ou est-ce instinctif? Selon la physionomie du match, comment adaptez-vous votre coaching? Y a-t-il des joueurs difficiles à coacher ou des joueuses difficiles à coacher et comment gérez-vous cette situation? Est-ce que ça vous arrive de vous trouver mauvais quand vous coachez? Généralement, quand vous vous sentez mauvais, c'est quoi le problème? Et quels conseils donneriez-vous aux entraîneurs qui nous regardent? Donc, on va pouvoir démarrer ce partage d'expérience et je vais donner la parole à Renan Lavigne pour commencer. Et sur cette première question qui était donc, que je la reprenne. Tac. Quelle importance accordez-vous au coaching entre les jeux et pourquoi? Alors, je t'active ton micro. Hop, c'est parti. Attends. Hop, ça ne marche pas. Voilà, c'est bon. C'est bon? Oui, tu peux y aller. Oui, bonjour à tous. Donc, Renan Lavigne. Donc, pour répondre à la première question de Nicolas, oui, bah, le coaching, c'est primordial puisque dans le meilleur des cas, en PSA, on a 4 minutes hein, pour impacter sur la performance du joueur pendant un match. Donc, ces 4 minutes, c'est un temps très, très court. Donc, il faut être concis dans ces 4 minutes et puis il faut surtout avoir ramener de l'objectivité par rapport à ce qui vient de se passer sur le court. Il faut avoir de la hauteur, du recul, amener un regard extérieur aussi sur l'adversaire qui est important parce que quand le joueur est dans le feu de l'action sur le court, il n'a pas forcément toujours le recul nécessaire. Donc on a l'obligation de prendre de la hauteur pour pouvoir ramener parfois de la sérénité ou au contraire continuer à encourager le joueur dans la direction qu'il a pris. Donc, bon, parfois c'est plus que 4 minutes hein, quand ça va en 4 jeux ou en 5 jeux. Et puis après, il y a différents aspects, c'est-à-dire qu'on peut aller sur le plan de la tactique, on peut aller sur le motivationnel, sur la part mentale aussi qui est souvent prépondérante dans ces petits temps. Alors c'est parfois, ça dépend des joueurs, hein, c'est vraiment très très spécifique aux individus. On doit être dans une adaptabilité permanente en fait. Il y a un déséquilibre permanent dans un match et il faut être en capacité de ramener de l'équilibre et donc d'être adaptable aux événements qui se passent sur le court. Et aussi adaptable à l'individu qui est en train de s'exprimer sur le court. Et parfois il peut y avoir des dérives. Donc, il y a cette nécessité de ramener en permanence de l'équilibre. Voilà. Donc, et un autre point qui est important, c'est que parfois, ce qu'on a réfléchi dans sa tête, ce qu'on a préparé, bon, si on est seul au coaching, si on est deux, comme ça peut m'arriver avec Mathieu quand on coach Grégory, c'est que des fois, en une minute, tout peut basculer. C'est-à-dire que sur une fin de jeu, quand on arrive dans un money time, on a préparé quelque chose alors que le joueur menait largement et puis finalement, il se fait remonter. Et en fait, tout ce qu'on avait cogité dans la tête ou échangé avec la personne avec qui on va au coaching, il y a tout qui tombe à l'eau et il faut tout de suite faire la pirouette pour pouvoir. Pour rebondir et trouver les mots. Après, il y a aussi trouver le langage, le bon langage corporel. Des fois, c'est des gestes, c'est un regard qui parfois ça peut suffire pour remettre l'athlète sur pied. Des fois, c'est juste
une petite tape, voilà, des éléments gestuels qui peuvent aussi faire la différence. Voilà, essayer d'avoir ce lien fort qui va permettre à l'athlète de repartir sur les bonnes bases dès le début du jeu suivant. Ou alors des fois on intervient aussi juste avant de rentrer sur le court, hein, pour le premier jeu. Donc là, des fois, c'est pareil, c'est juste un petit rappel de 2-3 basiques. Voilà. Donc on est aidant, on est accompagnant. Donc oui, c'est primordial. Merci Ronan. Je vais donner la parole maintenant à ton collègue d'Aix-en-Provence, à Yann Ménégo, qui lui est avec un public plus jeune. Donc justement, ton regard sur la situation, Yann, quelle est l'importance que tu accordes effectivement à ce coaching entre les jeux? C'est un temps essentiel. Déjà, c'est un temps qui nous est donné. Donc autant le rendre essentiel, je veux dire, en discipline. Nous, chez les jeunes, c'est 1 minute 30. Donc déjà, on a perdu 30 secondes par rapport aux seniors. Mais c'est effectivement un temps essentiel. Et pour moi, c'est un temps essentiel pour recentrer le joueur sur le principal, sur ce qui est le plus important pour préparer le jeu suivant ou préparer le match, comme le disait Ronan avant. Donc, c'est un temps d'échange. C'est un temps d'écoute d'abord, un temps d'échange. Et puis après, c'est l'approche, elle est vraiment, comment dire, comme l'a dit aussi Ronan, adaptative. Notre façon d'être, notre façon de faire s'adapte à la situation du moment. Comme il le disait, on peut avoir prévu des mots pendant un jeu et puis finalement, ce n'est pas ces mots-là qu'on va dire pendant l'entre-deux-jeux parce que la situation a changé, parce que le contexte a évolué, parce que l'athlète a changé d'état émotionnel. Donc, il va falloir savoir le recentrer, le recadrer sur ce qui va être essentiel pour être performant dans le jeu suivant. Donc, c'est vraiment de l'adaptabilité, même si après, on le verra sûrement après, on crée toujours des routines. Et aussi, je pense qu'il est très important de bien connaître le sportif que l'on a en face de soi pour pouvoir avoir un coaching percutant et performant, voilà, pour avoir une écoute aussi, avoir créé un lien de confiance. Voilà. Merci pour Yann. Moi. Merci Yann. Je vais donner la parole maintenant à Mathieu Benoît, donc qui est préparateur mental. Donc il n'est pas entraîneur au quotidien, mais il est préparateur mental. Et donc, il est en relation notamment sur le coaching entre les jeux avec Grégory Gauthier, entre autres. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est l'importance pour toi du coaching entre les jeux et pourquoi, Mathieu? Bonjour. C'est un rôle qui est très important et qui est très difficile aussi parce que comme l'ont dit tout à l'heure Yann et Ronan, puis je pense que les autres le diront aussi, hein, c'est que on est un petit peu sans filet en fait quand on est lorsqu'on est coach de chaise, c'est-à-dire que on est en instabilité permanente, comme disait Ronan, et que ça nous oblige à tout le temps essayer de s'adapter, de faire des choix, parce que on sait très bien que on n'a qu'une minute trente ou 2 minutes, et qu'il faut pas non plus qu'il y ait trop d'informations, parce que trop d'infos tue l'info, et qu'il faut faire le choix entre certaines idées parfois, ou même des fois certains axes. Parfois, on va pas du tout intervenir sur les aspects technico-tactiques parce qu'on pense que c'est pas ça qui fait la différence. On va plutôt axer sur le mental, le comportemental, l'émotionnel. Et donc, on a un rôle super important vis-à-vis de l'athlète, qui peut être facilitant, mais qui peut aussi parfois être limitant. C'est-à-dire que, on en parlera tout à l'heure, hein, si tu gères mal en tant que coach tes émotions, ton stress, si t'es fatigué, si t'es pas clairvoyant, si t'es perturbé, ou même il y a des fois, comme tous les joueurs, on n'est pas performant, bah on va être un point d'appui, mais on va pas être forcément un point d'appui fort, tu vois. On peut aussi véhiculer et transmettre des émotions qui sont négatives ou qui sont pas forcément dans le sens de la performance de l'athlète. Donc, le rôle est important globalement dans les aspects positifs, mais comme aussi dans les aspects négatifs. Faut pas prendre ça à la légère. On est
on reste un point d'appui pour le joueur. Hein. C'est-à-dire que le joueur, quand il sort et qu'il sait qu'il va y avoir quelqu'un sur la chaise, nous, on a tous été joueurs, on est quand même content de pouvoir s'asseoir, se poser et puis être face à quelqu'un qui va nous donner un peu de hauteur, un peu de clairvoyance, nous redonner de l'objectivité, revenir, Ronan l'a dit, sur les basiques qui sont quand même capitaux. Hein, quand on coach, on revient tout le temps sur les basiques. Hein, quand on se retrouve enlisé techniquement ou tactiquement dans un match et qu'on perd le fil, c'est parce que en général, on n'arrive pas à développer un jeu de qualité. Donc, il faut être aussi capable de pouvoir maîtriser tous ces aspects qui sont prépondérants dans la performance de l'athlète. Alors, on est à la fois un soutien, un guide. On est là aussi de temps en temps pour pouvoir faire switcher un joueur au niveau de son état émotionnel. Hein. On peut être des activateurs, des motivateurs, mais on peut aussi être parfois des points d'appui pour calmer un peu l'autre, pour lui faire reprendre un petit peu le faire souffler parce qu'on sent qu'il part dans tous les sens. Parfois, on met en garde aussi beaucoup. Hein, ça nous est arrivé plein de fois d'avoir un joueur qui s'emballe, il croit que c'est fait, on sent tout de suite qu'il est en train d'en faire trop, qu'il sort du cadre parce que ça va super bien et que nous, on peut être là en disant attention mec, hein, c'est pas fini. L'autre en face, il peut revenir. Donc, on a toutes ces facettes en fait qui peuvent intervenir et qui ont un impact direct sur le joueur. Et il faut toujours se poser la question de savoir quel impact ça va avoir sur le joueur. Est-ce que ça va être efficient ou pas? Et il y a une chose qui est importante et Yann l'a bien dit, c'est l'écoute. C'est-à-dire qu'en fait, le joueur faut surtout l'écouter. Quand il dit qu'il a mal et que c'est dur et que c'est difficile, il faut surtout pas lui dire non, c'est pas dur. Il dit si, ouais, je comprends que ça soit dur. C'est normal que ça soit dur. Il a besoin d'être écouté dans la problématique qu'il a. Il faut surtout pas se mettre en opposition et il faut l'accompagner là-dedans, quoi. Et puis, bah, après, lui donner un point d'appui, des solutions, un axe. C'est un rôle qu'il faut pas prendre à la légère et qui est très compliqué. Et Yann le disait, c'est-à-dire qu'il faut connaître l'athlète. Moi, ça m'est arrivé, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais moi, ça m'est arrivé qu'on me demande de coacher en tournoi comme ça. Et en fait, le mec, je le connais pas. Je sais pas ce qui l'active. Je sais pas ce qu'il a besoin comme discours. En fait, je le maîtrise pas. Et là, souvent, on peut s'exposer. Et je me souviens que pour cette expérience-là, j'avais pas été bon, hein, clairement. Hein. Et j'avais pas été bon sur ce moment-là avec cet athlète-là. Donc, pour résumer, c'est super important, mais faut être vigilant parce qu'en fait, l'impact, il est vraiment pas négligeable. Merci Mathieu. Je vais donner la parole maintenant à Philippe. Philippe Signoret, donc toi qui as un public plutôt senior et plutôt féminin, donc ton regard un peu sur le coaching entre les jeux, quelle importance tu accordes à ce coaching entre les jeux et pourquoi ? Pour répondre à ta question qui du coup est un petit peu plus spécifique pour moi, tu as rajouté un mot par rapport au public. D'entrée de jeu, je ne mettrai pas forcément une différence, en tout cas d'entrée de jeu. Pour moi, le coaching fait partie d'une stratégie qui part des webinaires qu'on a déjà eus, qui part du briefing, qui va au coaching et qui va au débriefing. Tout ça, c'est une stratégie qui se tient. On peut avoir briefé et se retrouver en coaching, avoir des choses un petit peu différentes. Donc ça, c'est important, il faut être assez réactif. Je rejoindrai Mathieu sur ce qu'il disait, c'est un moment très important. C'est un moment très important qui est assez court, qui peut être plus court que 2 minutes d'ailleurs, puisque les joueurs maintenant peuvent rentrer sur le court parce qu'il faut chauffer la balle, parce que ça doit repartir pile à l'heure, etc. Mais on se retrouve quand même à un moment où il ne faut pas avoir peur de le dire, on peut dire des conneries. Selon le joueur, ou je vais dire la joueuse, pour être dans ton questionnement, mais où la joueuse est très à l'écoute, très à l'écoute. Donc, il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit.
On est dans le coaching. Moi, ce que j'ai toujours envie de dire, c'est quasiment le cœur de notre métier, puisque c'est le moment le plus chaud pour finalement faire quoi ? Aider notre athlète, notre joueur à gagner. Là, on est vraiment dans la vraie problématique. C'est maintenant que ça se joue. C'est maintenant que ça se joue. C'est fini l'entraînement, c'est fini tout. C'est maintenant, on a la problématique, c'est quelle solution on va trouver pour contribuer, je dis bien contribuer, parce qu'il ne faut pas oublier que ce n'est pas nous qui tenons la raquette, mais pour contribuer à ce que notre athlète, par rapport à tout ce qu'il a fait, puisse trouver les solutions par rapport à son adversaire. On a en plus une, et ça je pense que n'importe quel j'ai envie de dire téléspectateur peut le comprendre, c'est qu'on a une vision privilégiée. On est derrière, même si on est humain et que notre cœur peut battre par rapport aux événements qui se passent sur le court, on est quand même assis, on a une vision d'ensemble de ce qui se passe. On ne peut pas reprocher à un joueur, moi ça m'est déjà arrivé non pas de lui reprocher, mais de m'apercevoir qu'il n'y avait pas cette vue de la part de mon joueur. On ne peut pas lui reprocher à un moment donné de ne pas avoir vu un signe, par exemple un signe de faiblesse de son adversaire. À un moment donné, tu vois, un temps où, tiens, si elle était un petit peu tombée, qu'elle met du temps à se relever, ou que tu la sens un petit peu plus cassée en deux, peut-être le souffle, etc. Et c'est peut-être le moment où ta joueuse, elle est en train, elle, de ramasser les balles, ou au contraire, en train de se concentrer sur ses cordes ou en s'essuyant la main sur le mur. Donc, le coaching, c'est ça aussi, c'est avoir l'œil un petit peu sur tout. Et on sait pertinemment que ce n'est pas possible pour la joueuse. Pour moi, c'est un coaching, c'est vraiment la chose importante. On a tous vécu des coachings, ce qu'on appelle le fameux coaching gagnant. On l'a tous vécu. C'est d'ailleurs pas forcément un coaching où la victoire est au bout, mais c'est un coaching où on voit vraiment qu'on a pu apporter des solutions, hein, parce qu'il peut y avoir aussi un gap entre les deux joueuses. Hein. Il peut y avoir une joueuse qui est 40e mondiale, qui joue sur la une, mais on s'aperçoit que le coaching a apporté quelque chose et que le coaching a contrarié les plans de la numéro une mondiale. Il n'y a pas que la victoire au bout. Et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir ce coaching-là. Et puis, bien sûr, mais je crois que c'est dans une de tes futures questions, il peut y avoir un coaching où on sent qu'on a été un petit peu plus hésitant, où on a eu du mal à trouver les mots. Mais voilà, donc ce coaching, il fait partie d'une stratégie, comme je disais, incontournable. Des fois, elle est contournée. Quand elle est contournée, c'est souvent des problèmes de disponibilité, des coachs, voilà, d'argent, n'ayons pas peur des mots, qui fait que le coach n'est pas là. Mais dans le mot coaching, il ne faut pas voir priver l'athlète ou la joueuse d'autonomie. Ça n'a rien à voir. Souvent, c'est pris comme ça par des gens. Et la joueuse est bien sûr autonome sur le court. C'est elle qui joue. Et c'est elle qui va trouver les solutions. Moi, ça m'est arrivé à un moment donné de ne pas dire quelque chose à une joueuse et cette joueuse a trouvé le truc d'elle-même. Et si c'est, par exemple, entre le deuxième et le troisième et qu'il va y en avoir un autre, ça va être le coaching d'appuyer là-dessus en disant « Putain, génial ce que tu as fait. » Là, c'est super. Il ne faut pas voir le coaching comme un truc. Moi, j'ai la science infuse et je vais lui dire tout ce qu'il faut faire et ça va marcher ou ça ne va pas marcher. C'est aussi ta propre joueuse qui, à un moment donné, trouve des choses qui vont orienter ton coaching. Donc voilà, donc le coaching pour moi, une phase très très importante, mais qui s'inscrit dans un triptyque briefing, coaching, débriefing. Merci Philippe. Et puis enfin, je vais donner la parole à Mehdi Hirnaï, qui est entraîneur de club et du centre d'entraînement régional à Squash 95, qui a un regard, lui, qui a un peu tous les publics, les jeunes et puis les seniors au niveau de son club. Donc, vas-y, Mehdi, est-ce que tu peux nous dire quelle importance tu accordes au coaching entre les jeux avec tes différents publics ? Alors, bonjour à tous. Déjà, moi, la première chose que je voulais dire, c'est un des aspects de mon métier que je préfère. Forcément, je pense que, un peu comme tout le monde, moi, j'apporte une grande importance au coaching entre les jeux. Et j'ai plusieurs publics différents. On va commencer par les jeunes. Et je pense que c'est encore plus important chez les jeunes, car c'est un aspect pédagogique et éducatif. Il y a une première phase pour amener les jeunes athlètes à une meilleure compréhension du jeu et un début d'autonomie dans l'analyse de son jeu et celui de son adversaire. Ça, je pense que c'est important chez les jeunes. Surtout qu'au départ, ils ne savent pas trop quoi faire. Nous, on est là pour les aiguiller petit à petit et qu'ils arrivent à faire des bons choix après, dans le futur, par eux-mêmes. Et la deuxième chose, c'est
d'apprendre à contrôler ses émotions. On sait que chez les jeunes, c'est un peu plus compliqué que chez les adultes, même si chez les adultes, il y a des soucis pareils. Mais chez les jeunes, on voit souvent des jeunes pleurer. Et la deuxième étape, ça va être d'apprendre à contrôler petit à petit ses émotions au fur et à mesure de sa carrière. Voilà pour les jeunes. Après, pour les seniors, un peu comme disait Philippe, en plus, j'avais vu le webinaire sur débriefing. Il y a toujours une première stratégie qui est mise en place avant le match. Donc, dans le briefing. Et après, je vais empiéter un peu sur les questions d'après, mais on sait que tout peut changer pendant le match, tout peut évoluer tout le temps. Et bien sûr, comme tout le monde a dit, c'est toujours plus facile de voir les choses de l'extérieur que de l'intérieur du court. Donc, on est là un peu pour aider l'athlète, d'une à garder l'athlète sur de bons rails et aussi à lui apporter des consignes tactiques. Un peu comme disaient Yann et Mathieu, je pense que c'est important de connaître les points forts et les points faibles de l'athlète qu'on va coacher. Nous, chez les jeunes, par exemple, on coache beaucoup de jeunes et on ne connaît pas tout le temps très bien l'athlète. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de coacher quand on connaît l'athlète. Déjà, je sais qu'il y a une différence entre les jeunes et les seniors. Surtout les jeunes, il va y avoir des athlètes qui, chez les tout petits, qui, par exemple, qui ne savent pas faire d'amorti. Donc, ça, au départ, si on ne le voit pas, on ne peut pas dire à un petit, tu dois faire des amortis, alors que le petit ne va pas réussir forcément à faire des amortis, ce qu'on ne retrouve pas, bien sûr, chez les seniors. Ou normalement, chez les seniors, c'est un peu plus simple parce que l'athlète doit être capable de tout faire. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment super important de connaître son athlète pour le coaching. Voilà, pour la première question. Merci Mehdi. Alors on va passer à la deuxième question. Donc est-ce que vous avez créé des routines pour faire vos coachings ou alors est-ce que c'est plutôt instinctif? Donc je vais donner la parole à Mathieu. Mathieu, est-ce que effectivement tu peux nous dire si c'est instinctif ton coaching ou est-ce que il y a des routines derrière que tu as créées depuis un petit moment? Oui, je dirais que c'est assez instinctif parce que en fait tu lorsque tu vas te retrouver à coacher, tu te jettes dans le grand bain et même si tu as coaché 10, 15, 20 fois le même athlète, tu sais très bien que ça sera pas le même match, que même si tu connais ses points forts et ses points faibles, le jour J, tu sais pas réellement dans quelle disposition il va être, même pour appliquer la tactique qui a été mise en place avant en amont. Et que en fait, tu marches sur des œufs tout le temps. Bien évidemment, que tu prépares avec l'athlète en amont un choix de jeu en lien avec l'adversaire, mais aussi en lien avec l'état du moment, avec le contexte, avec l'environnement. Tu mets un plan en place, mais tu sais très bien que ce plan-là, tu vas pas le dérouler pile à la lettre et qu'à un moment donné, il faudra en sortir, le modifier, s'adapter, aller jouer sur les différents facteurs de performance. Donc en fait, tu rentres sur le court avec l'athlète. En fait, t'es prêt, t'es vraiment dans l'action, quoi. Tu vois, c'est il faut avoir une forte réactivité parce que comme disait Ronan, parfois dans la dernière minute du jeu, il y a tout qui peut changer. Que avec tout ce que tu as vu du jeu, tu vas de temps en temps prendre des risques, c'est-à-dire que tu sais qu'il y a plusieurs facteurs qui peuvent jouer et qu'il ne faut pas que tu lui donnes 50 000 infos et il faut que tu fasses un choix. Comme disait Philippe, il y a des fois, tu te rends compte que tu n'as pas pris le bon axe, mais ce n'est pas grave. Au moment où tu prends cet axe-là, tu penses que c'est bon, ça ne marche pas. C'est comme les choix du joueur sur le terrain, en fait. On est vraiment, je trouve, en parallèle avec l'athlète. Alors, même si l'athlète, il a des routines sur le court, il a une forte capacité en fait à s'adapter à ce qui se passe et nous c'est pareil. Alors moi je dirais pas tellement routine, je dirais on a des habitudes avec les athlètes. Moi je sais que quand il sort du cours, j'attends toujours avant de parler que il ait un comportement ou un signe qui montre qu'il est open. Parfois il s'assoit, il lève la tête, il regarde. Parfois, ça nous est arrivé, hein, Renan, que Greg il nous tourne le dos puis qu'il marche et qu'il aille ailleurs, c'est qu'il n'est pas dispo, ou alors c'est qu'il gère lui-même aussi.
Je me souviens sur l'année là où il a fait une super année où il a gagné tous les gros de janvier à juin. Moi, j'avais pas grand-chose à lui dire. Hein. Il sortait, il savait déjà ce qui s'était passé, quoi. Là, j'ai déconné, là j'ai fait ci, là j'ai fait ça. C'est-à-dire que déjà lui d'entrée de jeu, il avait cette clairvoyance, cette maîtrise, cette objectivité. Et nous, tu me contrediras peut-être, non, mais on était là juste presque au cas où, ou alors pour ancrer. Et c'est Philippe qui disait ça, pour ancrer ce que l'autre avait vu et qui nous paraissait très très bien, quoi. Donc, c'est d'être capable d'avoir des marqueurs comme ça avec ton athlète que tu connais, et c'est ce qui est très difficile quand tu coaches des joueurs que tu ne connais pas, parce que ça tu ne l'as pas. Mais moi je pense qu'il faut l'athlète, faut le laisser se poser un peu, faire redescendre le niveau d'activation, et puis comme je disais tout à l'heure, l'écouter, c'est-à-dire que nommer quand c'est dur, hein, nommer quand c'est difficile, nommer quand il sent qu'il est pas là, etc. Il n'y a pas de honte à dire que bah là il est un peu passé à côté, ou que quand lui il va se plaindre de certains trucs, il faut l'écouter, parce que bah, sa complainte elle est réelle, quoi. Après, on a des habitudes par rapport aux mots. Je sais plus qui disait ça, c'est Yann, je crois. Moi, je sais qu'avec Greg, à un moment donné, il a fallu que je redéfinisse le sens des mots que moi j'utilisais, et lui, il n'en avait pas la bonne interprétation, tu vois. Et j'en parlerai peut-être tout à l'heure sur un coaching qui a été catastrophique pour moi et qui lui a fait perdre, je pense, un titre de champion du monde aux Bermudes, où j'ai coaché, mais vraiment une catastrophe finie. J'ai utilisé des mots qui pour lui n'avaient aucun sens, ou alors lui faisaient faire l'inverse de ce que je voulais. Et il a fallu redéfinir ça. C'est-à-dire que quand moi j'ai envie que tu fasses ça, quels mots tu utiliserais toi dans ton sens, tu vois. C'est-à-dire que à un moment donné, il y a presque un lexique à avoir, et qui va pas forcément être tout le temps le même. T'as des mots qui vont être activateurs, d'autres qui vont être plutôt calmants, d'autres qui vont être motivants, d'autres qui vont être sur les aspects émotionnels, techniques. C'est propre à chacun. Et puis après la petite habitude, et ce que je trouve important, c'est les derniers mots avant qu'ils rentrent sur le terrain. Pendant une minute et demie, une minute, on a parlé de certains trucs. Et je pense que les derniers mots là, si tu mets de l'intention, si tu fais un geste aussi parfois pour ancrer le truc, il va rentrer sur le terrain avec ça. Et ça, il faut pas le négliger. Je pense qu'il est important. Mais après, des routines, à proprement parler, j'en ai pas particulièrement. C'est des habitudes. Merci Mathieu. Ça me fait d'ailleurs penser, quand tu disais qu'effectivement, quand le joueur n'est pas prêt, et notamment Grégory n'est pas disposé à écouter, donc je vous invite à regarder l'intérieur sport de Grégory Gauthier, qui est plutôt récent maintenant, où justement, à un moment donné, à Mathieu, il lui fait « Non, 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 j'ai pas envie de te parler sur le coaching. » Donc, je vous invite à le regarder, c'est comme un lion en cage. Voilà, c'est un très intéressant comme reportage. Philippe, je vais te poser la même question. Donc, est-ce que pour toi c'est des routines, ou c'est plutôt instinctif ton coaching? Alors c'est sûrement pas instinctif, c'est réactif, c'est sûr. J'essaye d'être réactif, mais c'est sûrement pas instinctif pour moi. Donc il faut bien faire attention. Je rejoins donc Mathieu, mais en disant des mots un petit peu différents. Donc c'est pas non plus une routine, parce qu'une routine, ça voudrait dire que voilà. Le coaching est un truc où on se met dans une routine et tac tac, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Par contre, au niveau des habitudes, pour reprendre les mots de Mathieu, moi j'ai énormément évolué dans la manière de coacher au fil des ans. Et en fait, si tu veux, la première chose, c'est
Mon habitude, moi, c'est, bon, vous voyez un petit peu comment ça se passe sur les grands tournois, Mathieu, Renan, on a l'habitude, c'est on doit marcher hein, pour aller voir le joueur qui souvent est au début du cours, hein, c'est-à-dire vers le mur frontal. Donc, on marche, moi, le premier truc, c'est moi, souffler. Ça paraît bizarre, mais mine de rien, on vit à fond les matchs, on encourage beaucoup hein, aussi, on crie, hein, on y va, on donne de la voix, on vit ce qui se passe. Donc, le premier truc pour moi, c'est souffler, c'est moi-même me calmer, ok. Ensuite, c'est pas, même si on a que 2 minutes, c'est pas sauter sur ma joueuse et c'est pas tout de suite parler. C'est laisser s'asseoir, la laisser souvent, il y a une bouteille à ouvrir, il y a à boire. Je laisse toujours un petit peu ce temps se faire. Ensuite, dans les habitudes aussi, c'est parler doucement. Alors, des fois, c'est pas évident. Moi, je me rappelle à El Gouna, je crois, Mathieu doit bien savoir ce que je veux dire par là. Il y a les baffes qui sont à fond, à franchement 50 cm des oreilles des joueurs, ça va à fond. Mais j'essaie, sinon, s'il n'y a pas ces baffles-là, de parler doucement. C'est important, je pense, à l'athlète, de l'aider à retomber un petit peu au niveau du cardio. Ensuite, au niveau malgré le côté réactif par rapport à ce qui se passe sur le court, c'est pas se répandre. Il ne s'agit pas de faire 15 phrases. Hein, il s'agit, et ça c'est toujours pareil, c'est que moi je donne toujours à peu près, quand je vois que, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, qu'on est à 10, 17, voilà, c'est déjà commencé un petit peu à savoir un petit peu ce que je vais dire et à moi-même à me faire une petite synthèse perso de ce que je vais dire, de ce que je vais dire à l'athlète. C'est sûr que si c'est à 10-10, c'est plus difficile parce que là on est pris par le stress soi-même, mais il faut quand même faire l'effort. Et dans ces cas-là, donc arriver effectivement à avoir des phrases assez simples. Ensuite, dans ce contenu de phrases, il y a toujours, pour moi, les deux orientations qu'il ne faut pas oublier. C'est l'orientation mentale, bien sûr, très importante. Je n'irai pas, même si tu m'as tenté avec cette histoire de dire public féminin, je n'irai pas à dire que chez les filles, c'est plus important, mais parce que c'est comme tout. Moi, j'ai appris par le temps, quand j'ai commencé avec le public féminin il y a très nombreuses années, j'ai beaucoup travaillé sur le fait de dire, ben voilà, c'est quoi les spécificités féminines et les spécificités masculines. Et tu t'aperçois qu'il y a plein de bouquins là-dessus, il y a plein de choses qui sont dites. Mais tu t'aperçois aussi qu'il y a des joueurs masculins qui ont une grosse part de féminité en eux. Et des joueuses féminines qui ont une grosse part de masculinité entre eux. Ce n'est pas aussi simple que ça. Et donc, dans ce cas-là, ça veut dire qu'il faut oublier un petit peu ce côté et plus, si tu veux, se poser les bonnes questions de savoir qui tu as sur le court, qui tu entraînes. Et c'est vrai que, je reviens sur tout ce qui a été jusqu'à présent, le fait d'entraîner ces joueurs-là est une valeur ajoutée incroyable parce que, justement, tu connais leur sensibilité pour pouvoir bien les coacher. Donc, il y a cette partie mentale et puis, bien sûr, après, la partie tactique où il va falloir être bon, il va falloir dire les bons mots. Et moi, voilà un petit peu. Donc, tu vois, il y a quand même une forme de routine, mais... à part cette forme de routine-là, le contenu peut être très différent. Je le reconnais, j'ai un petit peu abandonné, si jamais on reprend un petit peu dans mes habitudes, le fait de parler doucement, le fait de machin. C'est vrai qu'il y a des fois certains athlètes où tu vois bien qu'à un moment donné, je me rappellerai toujours de quand Camille gagne son premier New York en 2017, la finale est son plus mauvais match. Et elle se retrouve à jouer beaucoup moins bien et à être, alors qu'on s'attendait, bon, on ne sait jamais ce qui se passe, mais c'était sur Massaro. On sait que Massaro peut apporter des problèmes presque extra squash sur un court de par sa combativité, etc. Mais en fait, je me suis retrouvé, elle est à 2-2, si je me souviens bien, Camille, et je sens qu'il manque quelque chose. Et là, c'est vrai que j'avais... Et elle me le redit souvent, elle me dit, putain, heureusement que tu m'as remué, quoi. Okay? Et là, effectivement, j'étais un peu sorti du truc. Où là j'étais pas dans le truc, j'étais dans le dire, j'ai dû le dire, putain, maintenant tu vas y aller, tu vas te bouger le cul, quoi. C'est pas possible, tu peux pas en rester là. Tout ce que tu as fait pour arriver en finale, tu vas pas à ce moment-là te centrer sur toi-même et voir tes problèmes, parce qu'elle comme moi, elle voyait bien qu'elle jouait pas au même niveau qu'elle avait joué pour arriver jusqu'à cette finale-là, et du coup le doute commençait à venir, etc. Et c'est là où j'ai senti que non, il fallait y aller, quoi. Il fallait attaquer. Heureusement, ça a donné, mais bon, je suis assez humble pour dire que ça aurait pu ne pas donner, et puis peut-être que même sûrement qu'il y a eu des fois où ça n'a pas marché. Mais voilà, mais sinon, c'est vrai que j'aime bien avoir un petit peu cette organisation au sein de mon coaching. Et donc, tu disais que
Effectivement, à 17, tu anticipais un petit peu ton coaching et donc qu'à 10-10, c'était plus difficile. Est-ce que tu arrives à 10-10 à anticiper les deux coachings, c'est-à-dire le coaching perdant et le coaching gagnant? Enfin, quand je dis coaching gagnant, c'est le coaching si la joueuse a gagné ou le coaching si la joueuse a perdu quand tu arrives à 10-10? Tu sais, c'est, bon, on ne sait jamais. Je pensais encore au dernier match de cette année de Camille sur Nouran Gouar avec un score fleuve dans un jeu. Mais sinon, c'est bon, allez, on va dire un tie-break à 12-10. Si c'est à 10-10, un tie-break à 12-10, c'est peut-être pas les deux derniers points qui vont changer la physionomie du jeu. Si on est arrivé à 10-10, c'est qu'il y a des choses à dire. Donc, on va surtout se baser sur toutes ces choses-là qu'on a vues. Et peut-être qu'il y a un point à 10-10 qui va aller dans ce sens-là, ou qui va peut-être venir dire ah, mais il y a aussi ça, mais bon, je ne vais pas forcément en tenir compte sur deux échanges, alors que quand même j'avais quand même beaucoup, si tu veux, d'éléments pour construire mon coaching. Mais le mental de la joueur ou de la joueuse ou du joueur peut être différent quand il arrive sur sa chaise. C'est sûr, c'est que le truc est très simple, gagner 12-10, tu vas pouvoir dire: bon, écoute, il y avait des choses qui, voilà, ça, il faudrait que tu fasses ci, tu fasses ça, mais écoute, super, tu l'as quand même gagné. Donc, tu l'as gagné et maintenant, tu vas avoir plus d'atouts dans ta manche. Tu sauras un peu plus ce qu'il faut éviter, sur quoi il faut aller, etc. Si jamais c'est le coaching donc perdant, comme tu disais, c'est-à-dire le jeu est perdu, si c'est 12-10, le truc, c'est de dire, ah, t'as failli gagner ce jeu-là, alors qu'en plus… Maintenant, tu vas corriger. Donc, il suffit de corriger et hop, tu vas lui repasser devant. Donc, ça marche. On peut dire que ça marche dans les deux sens. C'est juste tes mots qui vont changer par rapport à ce que tu vas lui apporter. Tu vas lui apporter le même contenu, mais tu vas juste changer à un moment donné de dire génial, tu l'as quand même gagné. L'autre, tu l'as perdu, mais tu changes ça, tu vas gagner le prochain. Merci Philippe. Mehdi, je te donne la parole pour cette question. Est-ce que toi, tu as des routines ou est-ce que c'est plutôt instinctif? Alors. Déjà, la première chose, je pense qu'il faut une grande faculté d'adaptation. Mais après, moi, j'ai comme disait Philippe ou Mathieu, j'ai des habitudes après qu'on peut appeler routine. Moi, ça se passe en deux phases. Il y a une première phase où je laisse parler le joueur sur son ressenti, sur la tactique, sur ses émotions. Ou s'il ne veut pas trop parler, j'observe plus le comportement. Comme a dit Mathieu, le temps qu'il redescende un peu de ce qui s'est passé sur le terrain. Et ensuite, il y a une deuxième phase où je vais parler, et c'est là où la faculté d'adaptation elle est importante, je vais parler en fonction de ce que j'ai vu et de ce que la personne m'a dit dans un premier temps. Je me concentre plus sur la gestion mentale quand je vois que le joueur perd un peu pied mentalement, ou quand c'est difficile, ou quand les points commencent à être durs, quand physiquement c'est compliqué. Et dès que je sens que la personne est un peu plus réactif à ce que je dis, c'est là que je vais commencer un peu plus à parler de tactique. Dès qu'elle est un peu plus réceptive, je vais parler plus de tactique pour surtout que ça soit intégré, que la personne arrive à intégrer ce que je lui dis assez rapidement. On n'a pas beaucoup de temps. En plus, chez les jeunes, on n'a qu'une minute trente. Et donc, je pense que c'est important, surtout le truc le plus important, c'est pas de donner beaucoup d'informations, pas donner 10 informations. C'est important de rester assez clair et comme disait Mathieu, de ne pas se jeter sur le joueur dès la première seconde à la sortie du cours. Voilà. Merci Mehdi. Je vais donner maintenant la parole à Renan. Renan, donc pour toi la même question, est-ce que tu as des routines ou est-ce que c'est plutôt instinctif? Et puis là, on vient pas mal d'échanger sur effectivement la durée d'un coaching. Est-ce que ça a changé quelque chose le passage à 2 minutes par rapport au coaching, notamment dans ton fonctionnement? Alors moi je parlerai pas de routine, mais plutôt d'un petit rituel, comme je crois que c'est Philippe qui l'a dit, toujours laisser passer le joueur pour qu'il aille regagner son espace personnel. Alors des fois on joue dans un espace confiné, hein, c'est-à-dire que on coach dans un couloir, on n'est pas toujours sur les cours vitrées, donc il y a la nécessité pour le joueur de retrouver son petit espace dans lequel lui a ses propres routines. Donc c'est plutôt moi qui m'adapte aux routines du joueur. Je sais qu'il y a des joueurs qui ont leur routine entre deux jeux, donc ça c'est indéniable, il faut les laisser dans leur routine à eux,
parce que sinon, ça, c'est des éléments qui sont perturbants. Donc là-dedans, il y a évidemment le fait de certains s'assoient, d'autres restent debout, certains ont besoin d'une interactivité, d'un dialogue entre les deux jeux dans ces deux minutes. D'autres, ils veulent de l'info, quoi. Ils veulent avoir ton analyse. Après, je pense qu'il y a un élément qui est assez pertinent aussi, c'est de, même s'il faut déjà se projeter sur le jeu suivant, il y a toujours, qu'on le veuille ou non, il y a toujours un petit retour sur ce qui vient de se passer. Il y a toujours un petit moment où le joueur revient sur ce qui s'est passé, qu'il ait gagné le jeu ou pas. Et là, tu peux percevoir des choses s'il a bien analysé justement ce qui s'est passé. Et donc, à partir de là, tu peux commencer à amener les choses que toi, tu as vues de l'extérieur du cours. Donc, ça, c'est important. Donc, il y a aussi, je ne sais plus qui l'a dit, mais il y a l'aspect physiologique de faire redescendre la fréquence cardiaque. Donc, forcément, tu laisses un laps de temps suffisant pour… Et puis, tu es en capacité de voir, quand tu connais bien ton joueur, on coach des joueurs qu'on n'a pas au quotidien. Donc, il y a aussi cette importance de savoir dans quel état psychologique, dans quel état mental il se trouve ce jour-là. Et puis, de par ses comportements sur le court, de par ses attitudes, tu sais aussi dans quel registre il se situe. Donc là, tu peux aussi adapter ton discours, parce que c'est, si tu as, comme l'a dit, je crois, Philippe, si tu as ta routine qui est prête, machin, t'es à côté de la plaque. Tu es obligé de t'adapter à ce que le joueur propose ce jour-là, mais aussi à ce que l'adversaire propose ce jour-là. Donc, toi, tu vois des choses sur l'adversaire que peut-être ton joueur ne voit pas quand il est au cœur de l'action. Donc, là-dessus, ça, c'est très important. Moi, j'aime bien ce petit temps d'analyse très rapide pour pouvoir se projeter sur la suite. Et puis après, bien sûr, une fois que la fréquence cardiaque a l'air descendue, la plupart du temps, l'état émotionnel permet cette petite fenêtre où tu peux apporter tes conseils, que ce soit tactique, comportemental, mental, voilà. Mais, faut que ce soit deux trois choses. Et puis après, c'est Mathieu qui l'a dit. Greg, il aime bien, pareil, dans les 10 dernières secondes, allez hop, c'est petite synthèse rapide. Et je me souviens d'une époque où, quand j'étais encore joueur, où on allait parfois aider le coach pour coacher Greg. Et des fois, on était à 15 secondes de rentrer sur le court et il nous disait, bon, OK, qu'est-ce que je dois faire? Et donc là, ben voilà, c'est en 10 secondes, il fallait lui donner la recette. Bon, souvent, il validait, hein, et puis il a une capacité à justement lui… s'adapter à tout ça, que ce soit sur le cours où il est en capacité, lui, d'analyser ce qu'on vient de lui dire. C'est-à-dire, dans la seconde près, il sait si c'est pertinent ou pas. Et après, pour un peu illustrer ces histoires de rituel ou de routine, je pense qu'on peut tous le dire, c'est qu'il y a quand même une petite spécificité française, c'est qu'on coach rarement à plus de deux. Les Égyptiens, parfois, ils sont 5, 6. Nous, on a quand même cette règle tacite. On va rarement à 5. Je ne l'ai jamais vu. C'est très, très rare. On reste à 2 parce que sinon, il y a une multitude d'infos qui circulent. Parfois, c'est tout et n'importe quoi et ça peut pas fonctionner. Donc, je pense qu'on a cette organisation qui fonctionne, hein, où on est soit seul, soit parfois avec l'apport du joueur français ou autre, des fois avec lequel on a le plus d'affinité, qui fait que il y a cette institutionnalisation dans le coaching, voilà. Mais j'ai un contre-exemple, hein, là-dessus, où l'année dernière, sur le championnat d'Europe par équipe, hein, j'avais dû repartir en urgence pour la naissance de ma deuxième. Et donc, j'avais donné les rênes à Philippe, qui était essentiellement sur sa mission féminine. Mais j'avais dit aussi aux gars, n'hésitez pas à y aller si vous voyez des choses et tout. Et en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. On a rechangé pour le lendemain. Et il y avait moi aussi qui était en,
qui était au téléphone en visio, donc c'était impossible. C'était impossible dans le match qu'a joué Benjamin. Il était entouré d'informations qui arrivaient dans tous les sens, que ce soit d'informations de langage, de gestuelle, etc. Nous, je ne pense pas qu'on puisse fonctionner comme ça. Voilà, c'est culturel. C'est culturel. Et après, je rebondis juste sur ce qu'avait dit Mehdi aussi tout à l'heure. Il est évident que sur la tactique, on est obligé de s'adapter aux capacités techniques qu'a un joueur. Si forcément on a un joueur ou une joueuse, comme il l'a dit, Mehdi, qui ne sait pas faire l'amorti et que pourtant c'est le coup qu'il faut, il y a un souci. Il faut avoir les armes techniques pour pouvoir appliquer la tactique. Sinon les choses se compliquent. Il faut aller jouer sur d'autres leviers. On t'entend plus, Nicolas. Pardon, excusez-moi. Donc, comme le disait Mathieu tout à l'heure, le vocabulaire est important parce que tout à l'heure, je parlais de routine et au final, vous me trouvez des mots différents entre habitude et rituel. Mais ce n'est pas grave, on est à peu près sur la même logique. Nicolas, je n'ai pas répondu sur les 2 minutes. Là. Oui, je vais te donner la parole. Je te donnerai la parole un peu plus tard parce que le temps file et tu parles beaucoup. Je vais donner la parole à Yann. Donc, Yann, est-ce que tu peux nous donner un peu… Ton vécu par rapport à ça, est-ce que c'est des routines que tu crées ou est-ce que c'est instinctif ? Ou des rituels ou des habitudes, bien évidemment. Ouais, je dirais plutôt que c'est une organisation du temps. Voilà, encore pour mélanger les choses. Non, en fait, un peu comme tous les autres, hein, quand le joueur sort du terrain, très souvent, je lui laisse le temps de s'installer dans son espace vital, voilà, qui est son petit coin, son petit espace de ressources où il va prendre un coup, boire un coup, il va manger, voilà. Et puis, ça va durer une petite quinzaine, 2 secondes, 20 secondes, généralement, pas plus. Et puis derrière, c'est plutôt moi qui vais, comme on l'a dit, voir, percevoir quand est-ce qu'il est disponible, mais disponible pour s'exprimer. Moi, j'aime bien les faire s'exprimer très souvent. Donc, j'y vais par une petite phrase, je suis à ton écoute, donne-moi ton ressenti, tes émotions, qu'est-ce que tu pourrais me dire, tu vois. Donc là, je force un peu l'athlète à revenir sur ce qu'il vient de produire. Okay. Et une fois qu'il va avoir fini de s'exprimer, c'est moi qui vais prendre la parole en rebondissant justement sur ses mots. Voilà. Je vais rebondir sur ses mots tout en ayant bien sûr avant mon idée de ce que je veux dire. Mais très souvent, c'est plutôt ces mots qui me dirigent sur mon coaching. C'est plutôt en fonction de ce qu'il me dit que je vais orienter mon coaching et que je vais m'adapter, justement. C'est ce que disait Mehdi, que je vais adapter mon coaching dans le temps qui suit derrière. Donc là, je m'adapte, je donne les informations, je rassure. Voilà, parce que l'idée aussi du coaching, ce qu'il faut, c'est que l'athlète reparte après 7 minutes 30 sur le terrain, convaincu et engagé avec les bonnes intentions pour essayer de prendre le jeu suivant, le jeu qui va se jouer. C'est là l'essentiel. Donc, très souvent, à la fin, généralement, même quand j'ai fini d'intervenir, c'est lui qui va me faire un petit résumé de sa stratégie, de ce qu'il va mettre en place, tu vois. J'aime bien qu'il ait intégré le truc, d'accord. Et puis, très souvent, j'ai fini mon coaching, bien souvent avant la minute 30. Donc, j'ai appris à être très, très synthétique dans mes informations et parce que j'aime bien qu'il ait un temps, justement, de ressources une fois qu'il a tout emmagasiné, qu'il a un petit temps pour lui avant de retourner sur le terrain pour se répéter les choses, se les résumer et s'engager à nouveau dans le combat. Donc moi, c'est plutôt comme ça que je fonctionne. Alors après, ça va être plus ou moins long avec chacun des joueurs que j'ai parce qu'ils ne fonctionnent pas tous de la même manière non plus. Il y en a qui vont te donner, quand tu leur donnes la parole en 2 mots, ils ont tout dit. Il y en a d'autres, il faut les arrêter quoi, parce que sinon, ils te prendraient la minute 30, quoi. Donc voilà, j'ai appris à gérer ce temps-là, quoi, à savoir quand est-ce que je pouvais intervenir ou pas. Alors, il y a des signes, il faut qu'on soit vraiment attentif à tous leurs petits signes. Des fois, c'est vraiment un rien. Hein, après, il y a des fois, il y a des joueurs, c'est carrément un mot. C'est vas-y, c'est bon, je suis prêt, je t'écoute. Qu'est-ce que tu as à me dire, toi ? J'ai une joueuse comme ça, elle te rentre dedans. Tu sais que c'est bon, que là, tu peux y aller, quoi. Par contre, avant, si tu en places une, tu te fais envoyer balader, quoi. Donc, il faut vraiment, on prend le temps de construire, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de routine.
Moi, j'ai une organisation du temps, mais elle n'est pas timée pareil pour tout le monde. Je ne mets pas mon chrono, allez, c'est bon, 20 secondes, t'as fini, hop, c'est à moi. Non, c'est vraiment en fonction du joueur et de chacun. Voilà. Et puis vraiment, vraiment, l'idée essentielle, c'est que le joueur reparte sur le terrain en étant convaincu qu'il a trouvé des solutions. Qu'il a des solutions et qu'il a les ressources pour les mettre en place. À chaque fois, c'est ça. C'est ce que je disais, c'est revenir sur l'essentiel. Voilà, le recentrer sur l'essentiel. Voilà, c'est pour moi, c'est ma façon de faire. Merci Yann. D'ailleurs, ça me fait rebondir sur le fait que tu disais que c'est une organisation du temps, sur le fait qu'il existe une proposition en fait de routing de coaching qui a été établie par Marc Allen, un ancien entraîneur international, et qui a été traduite par Enora Villard, que je vous mettrai à disposition sur Weller pour que vous l'ayez à disposition. Et effectivement, il sépare effectivement en trois temps, dont notamment un temps où l'athlète parle et exprime ses émotions, le deuxième temps où c'est l'entraîneur qui s'exprime, et puis un troisième temps où c'est des encouragements. Donc je vous partagerai ça sur Weller. Mathieu, tu voulais réagir? Je t'ouvre ton micro. Ouais, je voulais revenir et rebondir sur ce que Philippe avait dit tout à l'heure qui me paraissait très important, c'est que nous, comme on a une part non négligeable sur la performance de l'athlète, et du coup un petit peu sur le résultat, on se doit aussi nous d'être performants, et du coup de gérer nos stress et nos émotions. Philippe disait qu'il aime bien prendre ce petit temps de marcher pour faire redescendre un petit peu. Je pense que ça c'est super important, parce qu'en fait en tant que coach on est derrière, on voit des trucs que le joueur fait pas forcément. Parfois il y a une charge émotionnelle hyper hyper intense, hein. Moi quand on regarde les matchs et avec les caméras où on voit nos têtes derrière, on est super tendu. Moi je sais que j'ai des routines pour essayer de souffler, de me relâcher. Je sens que je suis tendu, j'ai les jambes qui font ça, et je pense que l'athlète, ça, il peut le ressentir, hein. Même quand il est dans le cours, quand il nous regarde, s'il nous regarde et on est complètement stressé, ou on fait une tête complètement abattue parce qu'on sent que ça va pas, ou on a envie de trucider trucider l'arbitre, mais que on se maîtrise parce que c'est pas forcément efficient à ce moment-là pour le comportement du joueur, ou en tout cas l'équilibre du match, etc. Moi je sais que, par contre, ça c'est des routines que j'utilise souvent, de souffler, de me relâcher, de se dire attends, vas-y, cool, tranquille, au moins pour pouvoir garder cette clairvoyance au niveau du jeu, parce que moi ça m'est déjà arrivé de sortir du match, hein, parce que il faut pas oublier que c'est un travail que de coacher, hein. On regarde pas le match comme un spectateur, on est là pour travailler. Philippe disait que, voilà, il faut réfléchir tout le match, tout le jeu, il faut réfléchir à ce que tu vas dire, à ce qui va être le plus efficient, à ce que tu as vu. Donc en fait on n'est pas du tout spectateur, et j'en parlais avec Renan la dernière fois, parfois c'est frustrant, moi parfois j'aimerais bien pouvoir me poser et regarder le spectacle, quoi, et regarder le match neutre comme ça, me laisser emmener par mes émotions, et sans être tout le temps obligé de réfléchir à pourquoi, comment, quel choix, quelle prise de risque, quel impact ça va avoir, etc. Donc à la fois quand on est derrière le court, le joueur il ressent ça parce qu'il nous regarde. Hein, on a aussi, moi je sais qu'avec Greg, on a des gestes, parfois il me regarde et j'ai des gestes qui lui permettent de modifier son comportement, ou alors d'ancrer à l'avant du cours, de la latéralité, de la longueur, machin, etc. Donc ça aussi c'est des choses qui sont tolérées en match, hein. Je crois qu'on n'a pas le droit de coacher, hein, mais nous en tout cas je pense qu'on prend quelques largeurs par rapport à ça. Moi ça m'est déjà arrivé je crois de me faire reprendre par rapport à ça, parce que je devais peut-être donner trop d'informations, et puis après quand tu arrives sur le joueur, c'est moi dans quel état j'arrive sur un joueur qui va être ouvert et qui peut être une éponge à mon émotion, hein. C'est-à-dire que si j'ai du mal à parler, si je bégaye, si je suis perturbé, Yann le disait, il y a des fois tu prépares un truc, le joueur il arrive et il te dit un truc
qui change tout, en fait, qui te perturbe dans ce que tu avais à dire. Et là, t'as pas de temps. Hein. C'est-à-dire, c'est presque comme la décision de faire un coup, une prise de risque, une prise de décision, un axe qui va avoir un impact direct sur le joueur. Et là, en fait, des fois, il y a des moments où moi, j'ai des souvenirs où, putain, je suis là, je dis, mais je suis séché, je ne sais plus quoi dire, je suis perturbé parce qu'il s'est passé quelque chose. À ça, le joueur en face, il est face à son point d'appui qui est objectif. Et puis en fait, on n'est pas solide, quoi. Donc ça aussi, c'est des routines personnelles sur notre propre capacité à être performant. Je pense qu'il faut utiliser parce qu'on est en première ligne sur les impacts de notre stress et de notre émotion sur le joueur et quelque part sur le résultat, quoi. Merci Mathieu. Donc je vais donner la parole à Renan et puis ensuite à Philippe assez rapidement pour qu'on puisse avancer sur les questions, s'il vous plaît, messieurs. Donc Renan, je te donne la parole. Bon, c'est juste pour illustrer ce que vient de dire Mathieu. C'est vrai que je pense pouvoir le dire sans trop me tromper que Greg et Camille cherchent souvent l'énergie à l'extérieur dans le regard de leur staff. Donc forcément que la partie comportementale et émotionnelle du staff et du coach sont prépondérantes. Donc comme l'a dit Mathieu, on est coach, hein, on n'est pas spectateur. Donc mais néanmoins on vit le match, donc avec des émotions, ça passe par tous les états parfois. Et c'est vrai que quand il y a cette petite fenêtre de 2 minutes, il faut avoir retrouvé, nous d'abord, notre état émotionnel le plus zen possible ou au contraire le plus surexcité quand l'athlète est plus dedans pour transmettre les bonnes vibes, quoi, les bonnes vibes. Et puis pour vraiment donner l'exemple de Mathieu là sur Greg, sur le regard, il y a une image qui me revient tout de suite là-dessus. C'est ce fameux match contre Shorbagi à New York, je ne sais plus quelle année, où Greg est par terre assis contre le mur latéral, et là Shorbagi va lui parler, et connaissant le loustic, dans ma tête je me dis, il est en train de dire à Greg d'abandonner, puisque Greg avait été blessé. Il est en train de dire à Greg d'abandonner, et par chance Greg se retourne vers nous, et moi je lui dis tout de suite, sors, ne l'écoute pas. Et du coup Greg est sorti, il a pu avoir ses 3 minutes pour récupérer, et puis bah, après il s'est passé ce qui s'est passé dans ce cinquième jeu qui a été dantesque et phénoménal. Mais c'est vrai que s'il n'y a pas ce regard, si l'athlète reste dans son tunnel, mais il peut passer à côté de choses. Alors c'est vrai qu'il y a cette subtilité à transmettre des messages alors qu'on n'a pas le droit dans les règlements. Donc ça passe par des regards, parfois même au début, je me souviens, où il y avait les vidéo reviews, on essayait de mettre en place des petits codes. Donc toutes ces choses-là, ben, ça fait partie du coaching à la limite du licite, on va dire. Merci Renan. Philippe, tu voulais prendre la parole aussi. Oui, rapidement, oui. On est souvent ensemble avec Mathieu et Renan sur les grandes compétitions. Donc forcément, on se connaît, on vit un petit peu les mêmes choses. Et Mathieu, souvent en tant qu'ostéopathe aussi, vient des fois avec moi sur le coaching. Et en fait, on s'aperçoit, si tu veux, que moi, j'ai toujours tendance à dire que mes joueuses m'ont autant appris que ce que moi, je leur ai appris. Et très souvent, par rapport au coaching, c'est dans leur réaction que j'ai pu, je parlais tout à l'heure des fameuses habitudes que j'avais, c'est par rapport à leur réaction que j'ai senti comment il fallait que je m'adapte. Et j'ai bien sûr vu certaines fois les ou entendu, hein, carrément, parce qu'on fait beaucoup de débriefing, justement les fameux débriefing qui aident aussi à mieux coacher. C'est le fait justement d'une joueuse qui dit, mais allez, je te sens pas derrière, quoi. Et c'est vachement dur pour nous quand on voit que ça va mal. Moi j'ai vraiment du mal, comme une joueuse a du mal quand elle prend, on va dire, 11-2, elle a du mal. Si elle perdait 10-1 et que ça devient 2-10, elle a du mal à faire « yes ». Tout le monde le sait, ça ne peut pas sortir.
comme nous, quand on est derrière et que ça fait 10-1, sur quoi tu vas applaudir ou sur quoi tu vas vraiment encourager, surtout que tu es déjà un petit peu dans ton briefing d'après. Donc, c'est des choses assez compliquées. Et là-dessus, moi, elles m'ont appris. Elles m'ont dit non, nous, on veut derrière. Quoi. Nous, on veut que tu sois derrière. Parce que déjà, on perd 10-1. Si en plus, toi, derrière, on sent que tu es en train de nous lâcher, on n'a plus rien. On n'a plus rien. Il nous faut quand même quelqu'un. Et moi, j'ai appris, et notamment dernièrement, depuis la défaite de Camille qui a été très dure à supporter en Égypte. Mais si tu veux, c'est vraiment comme quoi on apprend à tout âge et à toute période de sa vie. C'est que c'est le fait de me dire maintenant, je dis non. Moi, je serai toujours derrière, quoi qu'il arrive. Toujours derrière. Mais y compris dans le moment. Pas juste à la fin du match pour dire, c'est bon, écoute, c'est pas grave, ça va rebondir, ça va machin. Pendant le match, même si ça se passe mal, toujours derrière. Et donc, ces joueuses-là, elles sont capables, si tu veux, à un moment donné, de t'orienter sur le coaching. Et en plus, de t'orienter avec leur sensibilité, donc un petit peu différemment. Donc, c'est vraiment très intéressant comme ça d'arriver à voir justement que finalement, ton coaching, il est un petit peu, si tu veux, dicté, orienté par ces joueuses qui vont, avec leur sensibilité, te montrer quand tu te plantes un peu. Mais de toute façon, la plupart, quand ça marche, elles te le disent aussi. Merci Philippe. Dans le chat et puis notamment aussi dans les questions que j'avais envoyées sur les formulaires, il y avait pas mal de redondances sur l'arbitrage. Est-ce qu'il y en a un qui voudrait intervenir sur le fait que, effectivement, comment vous abordez l'arbitrage dans votre coaching si ça prend effectivement une mesure importante dans vos coachings la plupart du temps, comment vous l'abordez en fait? Donc Mathieu, tu voulais répondre. Ouais, l'arbitrage, enfin. On sait bien qu'avec Greg, ça a souvent été une problématique pour lui, les notions d'arbitrage et d'injustice par rapport à ça. Et moi, en tout cas, quand on est dans l'action, moi, j'essaye toujours de pas essayer d'envenimer ce sentiment d'injustice qu'il va pouvoir sentir sur une décision qui est pas forcément bonne et qui est pas forcément adaptée et qui parfois même est des fois complètement dingue et qui fait sortir l'athlète, parce que le but c'est pas de rendre justice sur le moment, parce que l'arbitre il change jamais sa décision, enfin c'est très très rare et que une fois que l'arbitre a fait sa décision, qu'elle soit qu'on soit d'accord ou pas avec, il reviendra pas dessus. Le tout, c'est de l'accepter et c'est de rester dans une dynamique de performance et du coup de pas en parler quoi. C'est comme ça. On sait bien que Greg, quand il va se faire arbitrer sur un match un peu chaud et que c'est Massarella qui l'arbitre, on sait très bien que il y a un problème avec cet arbitre là, que c'est compliqué et en même temps. On l'anticipe avant, c'est-à-dire qu'avant, il faut bien qu'il prenne conscience qu'il va rentrer sur le court face à un mec avec qui ça s'est souvent mal passé, mais qu'il ne changera pas, Massarella, et plus lui il va gérer son comportement, ses émotions, qu'il va gérer son sentiment d'injustice, mieux ça se passera, parce que plus il sera à même de développer son jeu, et c'est ce qui fera qu'à un moment donné, il sera en capacité de répondre sur le terrain, quel que soit ce qui s'est passé sur l'arbitrage. C'est-à-dire que l'injustice de l'arbitrage, elle fait partie du jeu et il faut l'accepter. À partir du moment où tu mets le pied sur le terrain, tu dois en accepter tout le contexte, l'environnement, que ça soit la joueuse. Hein, je sais qu'il y a des joueurs qui sont hyper difficiles à jouer, hein, qui bloquent, qui ont parfois des comportements un petit peu limites, qui jouent sur cette corde-là, comme avec l'arbitre. À partir du moment où tu mets le pied sur le terrain, ça, tu dois l'accepter. C'est-à-dire, tu dois ni en faire un stress, ni en faire une excuse, une stratégie d'évitement ou en tout cas une raison pour laquelle tu as perdu. Au niveau de l'arbitrage, moi, j'ai vraiment plutôt tendance à… On en parle après. Après, je dis ouais, c'est sûr que là, ces deux décisions, elles sont complètement hallucinantes. Mais pour l'instant, dans l'action, entre les jeux… ça nous est arrivé, hein, Greg vient entre les jeux, il va te parler des deux décisions de dingue qu'il y a eu dans le jeu. Ça, il faut le faire sortir de ça. Alors que lui, il a peut-être fait 4 plaques ou 5 plaques. Il fait 5 fautes, l'arbitre en fait 2. Il va se focaliser sur celle-là. Focalise-toi sur ce que tu maîtrises.
Tu vois, donc tout ça, il faut être capable de le couper et de l'emmener sur l'après, quoi. Fais avec, tu ne reviendras pas sur ces fautes-là. Merci Mathieu. On va passer à la question suivante. Donc la question suivante était, selon la physionomie du match, comment adaptez-vous votre coaching ? Alors Mehdi, je vais te donner la parole pour cette question pour commencer. Donc comment tu adaptes ton coaching selon la physionomie du match ? Alors bien sûr, chaque match est différent, chaque athlète est différent. Et on sait que dans un match, la tactique peut varier du tout au tout en fonction de... Alors est-ce que Mehdi, je peux te demander de remonter un petit peu ton écran pour qu'on puisse voir complètement ton visage? Merci, super. Donc, la tactique peut varier du tout au tout, mais la gestion mentale aussi des émotions peut varier du tout au tout. Surtout chez les jeunes, où on voit des jeunes qui gagnent un jeu, qui sortent super contents, ils sont à fond, ils vont repartir dans le deuxième jeu de plus belle, et le jeu d'après, ils le perdent, et là, c'est la catastrophe, ils sont au fond du gouffre, il n'y a qu'un partout, et pour eux, c'est déjà la fin du match, et ils ont déjà presque perdu le match, quoi. Surtout chez les jeunes, où ça peut, il y a l'ascenseur émotionnel est fort, quoi, et ça arrive régulièrement. Après, moi, j'ai des exemples un peu par rapport à ça, où je me rappelle d'un match où je fais avec le joueur, on fait un briefing d'avant-match. C'est plutôt la tactique où le briefing, c'était plutôt de jouer lentement, de jouer assez droit, parce que le joueur qui jouait en face jouait plutôt rapidement et avait tendance un peu à jeter sur toutes les volées. Et finalement, c'est pour ça que je dis que c'est différent, ça change de, au fur et à mesure du match, parce que en l'occurrence, là, la personne a tenu la tactique pendant deux jeux, et au bout de deux jeux, l'adversaire en fait s'est mis à fatiguer. Et là, on est passé carrément à l'inverse, où là, il fallait frapper plus fort, essayer de faire des croisés un peu plus tendus pour faire tourner le joueur. Le joueur commençait à fatiguer, faire des doubles murs. Alors qu'au départ, la tactique, c'était de jouer plus lentement, de garder la balle droite pour essayer de fatiguer le joueur. Et petit à petit, bah, ça a marché. Et là, ça a été la tactique inverse au bout du troisième jeu, où là, il a fallu mettre beaucoup plus de rythme pour après réussir à gagner le match et en gros épuiser son adversaire, quoi. Ça, c'était plutôt sur le plan tactique. Après, j'ai des exemples. Après, chez les juniors, il y a plein d'exemples de trucs. Je peux dire des exemples de coaching qui n'avaient rien à voir avec le squash. Ça peut arriver chez les adultes. Ça ne peut pas arriver chez les jeunes. Ça arrive plein de fois. Des choses qui ont rien... Bah, chez les adultes, ça peut arriver aussi. Mais là, en l'occurrence, c'est un match de moins de 13 ans. Je coachais une personne et en fait qui était archi favorite, quoi, et qui était tête de série 1 du tournoi, et en quart de finale, les deux premiers jeux, elle joue pas du tout. Mais elle joue pas du tout. Premier jeu, je me dis, elle joue pas, c'est un peu stressé, c'est l'enjeu, elle est favorite. Deuxième jeu, toujours pas. Donc le premier jeu, je reste assez calme. Mais moi, je suis plutôt assez calme. Je parle jamais très fort, je m'excite jamais, je reste toujours assez calme. Fin du deuxième jeu, je lui demande qu'est-ce qui se passe et tout. Et en fait, elle ne jouait pas parce qu'il y avait un problème de tenue vestimentaire. Il y avait un problème de tenue vestimentaire. Et en fait, pendant deux jeux, elle n'a pas joué du tout parce qu'il y avait un problème de tenue vestimentaire. Donc, en parlant avec elle pendant le deuxième jeu, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne joues pas? Bah, la tenue, en fait, en gros, elle ne se sentait pas bien dans la tenue. C'est un truc qui ne peut pas arriver chez les adultes parce que normalement, tu prépares ta tenue correctement. Chez les adultes, non. Ça peut pas arriver, ça. Mais là, elle était pas bien dans sa tenue. Je vais pas expliquer les détails pourquoi elle était pas bien et tout, mais en fait, elle a été changée dans les vestiaires à la fin du deuxième jeu. Et après, elle gagne les trois autres jeux. Elle les gagne style 11-2, 11-2, 11-2. Mais il y avait même plus de match. Elle s'est remise à courir. Et toi, quand tu es là derrière, tu es au coaching, tu comprends pas trop. T'es à la fin du premier jeu, t'as pas compris. Tu dis c'est le stress, ça arrive à tout le monde, surtout chez les jeunes. À la fin du deuxième jeu, tu comprends toujours pas. Alors que là, le niveau, il était carrément... il y avait une grosse différence de niveau. Et en fait, petit à petit, c'est en parlant que tu te rends compte qu'en fait, tu ne pouvais rien faire. Il fallait qu'elle change, quoi. Il fallait qu'elle change, quoi. Tu ne pouvais rien faire pour elle, quoi. Donc c'est pour ça, tout peut évoluer. Il y a plein de matchs différents, que ce soit, je pense, chez les jeunes, chez les seniors. Donc,
Donc voilà, c'était un peu les deux exemples que j'avais à donner. Voilà. Il y a sinon. Et surtout que chez les moins de 13 ans, ça peut arriver autant en tournoi régional qu'en championnat de France ou qu'en tournoi européen. Quoi. En l'occurrence, c'était un championnat de France. Ouais. Je me souviens. Voilà. Merci, Mehdi. Je vais donner la parole à Yann. Yann, je vais t'ouvrir ton micro. Si j'y arrive. Ouais, j'ai un peu de mal. Voilà, c'est bon. Donc oui, Yann, donc, même selon la physionomie du match, comment tu adaptes ton coaching? Ouais, comme l'a dit Mehdi, hein, il n'y a pas un match pareil. Il n'y a pas un match pareil. Et j'ai envie de dire aussi, on ne coache pas un joueur. Le joueur n'est jamais le même, entre guillemets. Il faut le prendre dans l'état émotionnel où il est. Donc, il faut savoir s'adapter en permanence. Autant on peut arriver avec une stratégie tactique, la construire avant eux, autant nous, on n'a pas de stratégie de coaching avec nos sportifs. On apprend à les connaître, on apprend à identifier des réactions, des comportements qui vont nous orienter sur comment intervenir au coaching et comment communiquer avec eux et quoi dire et sur quoi parler aussi. Mais c'est de l'adaptation en permanence. Moi, je me rappelle d'une finale de championnat d'Europe par équipe. On est à un match partout. C'est la fille qui joue le match décisif. Elle est menée 2-0. Elle joue une joueuse contre qui elle n'a jamais gagné. Et puis, mais elle prend 2-0 en 4 minutes 30. Quoi. Ça défile. Et là, au coaching, bah, comme un peu a dit Mehdi, je l'ai ramené juste sur l'essentiel qui était le plaisir. Le plaisir et la chance de jouer une demi-finale de championnat d'Europe junior. C'était sa dernière année. Donc, je lui ai dit, tu ne peux pas passer à travers de ça, à travers de profiter de cet instant-là. Ce n'est pas possible de ne pas profiter de ce moment-là. On te demande de faire le match, voilà, d'aller au bout de ce que tu peux faire, de ce que tu sais faire. On le gagne, tant mieux. On le perd. Au moins, on y sera allé à fond tous ensemble. Donc voilà, on l'a poussé, je l'ai poussé, et finalement, bah, y a un mot qui a fait tilt, on en a reparlé après, c'est le mot plaisir. Voilà, elle était complètement sortie de ça à la fin du match, on en a parlé, elle m'a dit, quand tu m'as dit plaisir, elle m'a dit, je me suis dit, mais je suis en train de me prendre la tête sur le court, là, c'est pas possible, et finalement, elle a gagné ce match, et on va en finale, quoi. C'était inespéré, je veux dire, tu prends 2-0 en 5 minutes et tu gagnes en 5 jeux, je crois qu'en plus, le 5e doit le gagner 11-9 ou un truc comme ça, chaud, mais. Donc voilà, c'est vraiment de l'adaptabilité parce qu'en plus, cette joueuse, je la côtoyais que de temps en temps en junior. Ce n'était pas une de mes athlètes. Donc du coup, il a fallu trouver des mots. Des fois, on tente des choses. Hein. Là, c'était tenté. Puis il y a des fois, bah, au coaching, il y a des fois, tu disais, on pose son. Philippe disait souvent, j'essaie d'être le plus calme possible. Bon, il y a des fois, je joue un rôle, hein. Je pète un câble. Je pète un câble sur le sportif pour pouvoir le faire réagir, mais je sais que sur le joueur ou sur lequel je pète un câble, il va pas mal le prendre. C'est parce que je vais le pousser dans ses retranchements, je vais aller chercher au plus profond de lui-même pour qu'il y ait une réaction, pour qu'il y ait même une mise en action des fois. Donc on peut, c'est tout le temps s'adapter et c'est s'adapter d'un jeu à un autre parce que tu peux faire un premier jeu comme Dimitri, ça gagne. Tout se passe bien, donc vas-y, continue. Tu encourages, puis deuxième jeu, tu ne sais pas pourquoi, ça prend 11-1. Tu n'as rien compris. L'autre n'a rien changé, c'est ton joueur d'un coup qui a complètement changé. Et là, il faut complètement changer ta façon de faire, ta façon d'être, aller chercher le pourquoi. Et puis, il y a des choses qui sont non maîtrisables. Hein. Moi, ça m'est arrivé de perdre une demi-finale aussi par équipe en moins de 15 ans avec une fille qui venait de découvrir quelque chose dans sa féminité et j'ai jamais pu maîtriser ça. Quoi. Et on a perdu une demi-finale alors qu'elle n'avait jamais perdu contre cette fille. Quoi. On ne se voyait pas aller. Et là, c'est un cas. C'était incontrôlable. J'aurais pu essayer de m'adapter comme je le voulais. Je l'ai su que le soir même, 4 heures après, ce qui s'était produit. Donc, voilà, c'est vraiment le mot, c'est vraiment s'adapter. Il n'y a pas de stratégie de coaching. Quoi. C'est clair. Merci Yann. Philippe, est-ce que tu peux expliquer selon la physionomie du match comment tu adaptes ton coaching? Oui, donc s'adapter comme un peu tout le monde a dit, et puis s'adapter, il faut le rappeler encore, dans un temps très court. C'est ça la difficulté.
Bon, tu veux des exemples? Moi, j'ai deux exemples qui me viennent. Un exemple assez récent, un plus lointain, mais dans les récents, c'est à Chicago, là, au dernier Windy City Open en février, où tu as Mélissa qui rentre sur le court et elle joue une joueuse contre laquelle elle a perdu peu de temps avant. Mais on sait qu'elle peut gagner. Et elle rentre sur le court, bon, voilà, très motivée, etc. Et elle perd 2-0 sans jouer. Mais vraiment sans jouer. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose, on ne sait pas quoi. À la fin du premier jeu, je lui demande, bon, elle est un peu paumée, elle ne sait pas, oui, ça ne va pas, je ne sais pas, je n'y arrive pas, machin. Deuxième jeu, pire que le premier, je crois, si je me souviens bien, en tout cas, le père aussi. Et puis pareil, et là, donc, quand Yann disait, ça m'arrive de péter un câble, moi, c'est vrai que ce n'est pas dans ma nature. Enfin, ça ne l'est plus. Ça l'était quand j'étais un peu entraîneur jeune et de jeune. Et c'est vrai que ça allait plus trop, mais là il faut réagir, quoi. Là il faut faire quelque chose, quoi. Il faut créer quelque chose, et quitte à ce que ça marche pas, mais tu peux pas rester et coacher de la même manière comme tu as coaché entre le premier et deuxième, voyant que le deuxième ça n'a rien fait, et te dire bon ben on va retenter la même chose. Et là effectivement mes propos étaient plus forts. Alors déjà ce que j'ai fait, ce que je fais jamais, c'est que j'ai emmené Camille et c'était plus qui, je ne sais plus qui il y avait à côté, il me semblait Nora. Camille et Nora, je dis, vous venez avec moi pour faire de la force. Alors que franchement, je n'aime pas ça. Tous ils le savent, je n'aime pas être accompagné de trop. Voilà, s'il y a un kiné, un ostéo, il n'y a pas de souci, bien sûr. Mais donc, OK. Et puis moi, qui frappe, qui parle fort pour le coup, qui fait mal dans mes propos, du style, mais qu'est-ce que tu es venu foutre ici, quoi? Tu es à Chicago, tu as une fille que tu dois battre, que tu peux la battre. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas possible. C'est pas possible de faire ça. Tu n'as aucun respect de toi-même. S'il y a un problème, ce n'est pas possible. Écoute, elle retourne sur le cours, c'est à peine mieux. C'est pas, donc, tu vois, ce n'est pas le truc où je me dis, ah yes, j'ai bien fait. C'est à peine mieux. Mais le à peine mieux, c'est toujours pareil. Il faut voir ce qui se passe chez l'autre aussi. L'autre, elle lui met branlé, 2-0. Donc l'autre, elle se dit, bon, bah, c'est un peu fait, elle se relâche un peu. Donc entre une qui se relâche et l'autre qui est un petit peu mieux, ça commence un petit peu à s'inverser. Et du coup, ça pousse à ce que, voilà. Donc, mon coaching entre le troisième et le quatrième, et bien sûr, entre le quatrième et cinquième, surtout entre le troisième et quatrième, il est encore un peu musclé. Et puis, entre le quatrième et cinquième, il est un peu moins musclé. Et puis, bon, voilà, ce genre de coaching gagnant, puisque Mélissa s'en sort et elle gagne. Et je ne sais pas qui je pouvais implorer, mais il s'était passé quelque chose qui avait complètement inversé la tendance. Donc là effectivement il faut être hyper réactif dans un temps court et prendre une décision, et je peux assurer que ça m'est déjà arrivé et que ça n'est rien changé mais là vraisemblablement ça a fonctionné. Voilà. Et puis un autre exemple plus, je dirais, plus compliqué, plus tortueux, c'est justement un briefing coaching gagnant jusqu'à la fin du premier jeu. C'est-à-dire, j'explique, un briefing où à un moment donné, on se dit, voilà, il faut jouer comme ça, pas lui donner de rythme. C'est une fille qui aime le rythme, tu ne lui donnes pas de rythme. En droit, tu ralentis, mais il n'y a pas que la balle que tu ralentis ton espace entre deux frappes. Voilà, dès que tu es en difficulté, tu lèves, machin, etc. 11-1, entre le briefing et le coaching qui arrive à 11-1, tu te dis, bon là, on tient le bon bout, on est vraiment dedans. OK. Deuxième jeu, je crois, de mémoire, 4-1 ou 5-1. Tu te dis, on est vraiment bien. Là, on a tout bon. Puis d'un coup, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose, etc. Perte du deuxième jeu. Qu'est-ce que tu vas dire à la fin du deuxième jeu? Tu ne peux pas dire, on change tout. Parce que tu as un jeu où ta joueuse a gagné 11-1 et le deuxième jeu, elle menait 5-1. Tu vas plutôt sur le fait de dire, bon, écoute, notre stratégie, elle est bonne. Faut pas, voilà, c'est juste qu'attention, sur ce coup-là, eh ben, tu te fais contrer, machin, et tout, etc. Donc, on garde l'âme de la stratégie du briefing et du coaching du premier jeu. Et là, il y a branlé dans l'autre sens. C'est-à-dire, c'est l'autre qui met branlé à ma jouée. Et là, tu te dis, merde. C'est-à-dire que là, tu remets tout en question. Là, tu te dis, c'est plus possible de continuer comme ça. Et tu arrives même, toi, pendant le jeu, à te dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, tu as un jeu encore derrière et tu te dis, mais qu'est-ce qui a pu se passer là? Et là, tu te dis, bon, alors, est-ce que c'est parce que ma joueuse joue moins bien ce qu'elle devait faire? Ou est-ce que l'autre s'est complètement adapté? Et du coup, est-ce que tu dois garder un mix?
fais quand même ce qui t'a permis de gagner 11-1, mais change juste ça, ou alors carrément, on arrête tout, mets du rythme, remets du rythme, pourquoi pas remets du rythme, frappe plus fort, c'est-à-dire aller au contraire de ce que là où tu étais convaincu à la fin du premier jeu, et où tu étais presque capable, même si on se méfie toujours, on a l'habitude, tu es presque capable de signer un truc en bas du fil, c'est bon, ma joueuse, elle est bien partie pour gagner, etc. Donc, c'est très compliqué. Et d'ailleurs, sur ce match-là, on n'a pas réussi à trouver les solutions, parce que ce qui est venu se mettre là-dedans, c'est la perdition totale. Parce que là, c'est horrible pour la joueuse, et je reconnais pour le coach, d'avoir cru très fort à ce que tu faisais et de voir à un moment donné que tout échappe. Et du coup, la joueuse qui s'était, depuis le briefing qui a eu lieu la veille, c'était, voilà, la joueuse, si à la limite, le premier jeu avait été plus difficile, elle serait restée un peu sur ses gardes. Mais là, non, elle n'est pas du tout restée sur ses gardes. Elle s'est convaincue, elle aussi, qu'elle était bien et que c'est ce qu'il fallait faire. Et là, du coup, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Il faut trouver des solutions. Les solutions, tu ne les maîtrises pas complètement jusqu'au bout. OK ? Et sur ce match-là, eh ben, on n'avait pas réussi. Ça, c'était, voilà, il y avait eu, je crois, si je me souviens bien, un quatrième jeu un peu chaud, parce que voilà, en combativité, etc. Mais on n'avait pas réussi à trouver les solutions, parce que ça avait été beaucoup trop facile et ça nous avait convaincus à 100% de la stratégie qu'on avait mise en place au début. Et on n'a pas réussi à complètement trouver une autre stratégie gagnante. Merci Philippe. Merci. Mathieu, même question pour toi. Selon la physionomie du match, comment tu adaptes ton coaching? Je dirais que là, je vais pas pouvoir te donner ni de recette, ni d'axe. C'est que l'adaptabilité, par définition, c'est que tu te retrouves dans une situation que tu connais pas, où tu n'as pas forcément beaucoup de références. En fait, lorsque tu écoutes Yann, Mehdi, Philippe ou même Renan qu'on écoutera tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut sortir des codes, il faut sortir des théories, quoi. Il faut être capable d'inventer, il faut être capable d'être créatif, il faut être capable d'aller chercher chez l'athlète une fibre qui est souvent pas forcément technico-tactique, hein. Moi, je sais qu'avec Greg, sur le plan technico-tactique, c'est quand même un mec qui maîtrise quand même assez bien tout, même si, et puis qui a quand même la capacité sur le cours de pouvoir mettre les choses en place et de les comprendre et d'échanger lui tout seul. Lui, on va dire que sa problématique, elle va être plutôt, on va dire, ailleurs au niveau gestion émotionnelle, mentale, parfois comportementale, et que quand tu es face à ça, et ben, parfois tu te retrouves. Le mec, il faut aller chercher un truc. Alors parfois, et on peut aller chercher des choses hyper personnelles, hein, pour le faire sortir, quoi. Hein. Donc parfois, ça peut être de l'intime. Alors c'est un peu qui tout double. Hein. Moi, ça m'est arrivé avec Greg d'aller chercher sur un truc. Ça a pas du tout fait ce que j'escomptais. Et puis après, d'autres fois, bah, tu vas essayer de chercher des métaphores. Moi, je me souviens une fois au British, il était dans une période où il avait du mal avec sa raquette, il avait pas de précision. Enfin, vraiment, ça faisait longtemps que pour lui, son arme n'était pas la bonne arme et qu'il avait du mal en fait à faire ce qu'il voulait, quoi. Il s'en plaignait souvent en fait. Hein. Et après, c'est vrai que ça l'empêchait vraiment d'atteindre son très haut niveau de performance. Mais à un moment donné, en match, je me souviens, il sort du premier jeu, il dit ça, et il me semble que c'était contre Nick. Hein. Et je lui dis, écoute, mec, maintenant, ouais, d'accord, t'as pas tes armes habituelles, hein, t'as pas tes gros flingues, on va dire, t'as un cure-dent, mais avec ce cure-dent, tu vas essayer de lui faire mal, quoi. Tu vas essayer, avec ton intelligence de jeu et ton cure-dent, de le piquer, et puis tu verras bien. Et puis, bah, je me souviens même plus du résultat du match, hein, parce qu'en fait, quand on coach, on est vachement sur le contenu, hein. On est plus que sur le résultat. Le résultat, il appartient à l'athlète, même si nous, ça nous impacte aussi, mais on est vraiment sur le contenu. Tu vois, je ne pourrais même pas te dire s'il a gagné, mais je me souviens que derrière, il avait quand même réussi à se mettre
plutôt à la tâche, à essayer de trouver une solution à son problème qui lui prenait la tête, à le sortir et à accepter de se battre avec ce cure-dent aujourd'hui. Et puis avec ça et mon intelligence de jeu, je fais comment ? Et c'est aussi notre adaptabilité qui va amener aussi le joueur à s'adapter aussi face à ces problématiques. Parfois il faut des électrochocs. Je me souviens d'une fois, c'était au Monde en Arabie Saoudite, il jouait Palmer, je me souviens que sur le jeu il déconne quoi. Enfin, il mène, mais tu sens que c'est un peu de la surconfiance ou peut-être un peu de, enfin. Je sentais qu'il déconnait, quoi. Et que face à un mec comme Palmer et avec le background qu'il avait avec lui, il fallait quand même être vigilant. Il sort du jeu et puis je lui mets une boîte. Je dis, putain, là, tu déconnes. Franchement, tu déconnes. Tu vas dans le mur et mais vraiment fort, quoi. Et lui, il s'était levé. Mais tu me fais chier. Vraiment, il m'avait bouffé la gueule comme ça. J'ai dit, écoute, moi, si c'est comme ça, je me casse. Ça me saoule de rester là. De voir ça, tu t'entraînes comme un dingue toute l'année, puis moi de voir ça, ça me saoule. Tu vois ? Et le truc, il est venu, en fait, il est venu comme ça, quoi. Parce que, quand Greg il s'agace, c'est pas agréable. Hein. Et en fait, après, on avait rediscuté un peu à froid, et il m'avait dit que, en fait, ça l'avait aidé, quoi. Ça l'avait aidé, qu'il avait été touché dans son orgueil, la manière avec laquelle je l'avais mis face à sa. En fait, face à son truc, comme c'est un. Voilà, il y a de l'orgueil qui sort, il répond comme ça, mais il a eu l'intelligence quand même de prendre le message. C'est-à-dire que la forme l'a fait réagir un petit peu fort, mais ce qui était important, c'est le message. Et qu'à ce moment-là, pour faire passer le message, il fallait que j'y mette une forme particulière. Donc, des fois, il faut se détacher de la forme, mais il faut connaître quand même l'athlète. Hein. C'est-à-dire que ça, c'est le genre de truc que tu ne fais pas si tu ne connais pas. Parce que du coup, tu peux peut-être complètement détruire l'athlète. Quoi. Merci Mathieu. Je fais une petite aparté justement par rapport à l'anecdote que tu évoquais par rapport au problème de raquette qu'avait Greg. On a une petite histoire en commun, Philippe, Renan et moi, sur le championnat du monde à Mulhouse en 2013, où il venait taper à la porte du bureau du tournoi tous les jours pour diminuer sa raquette d'une demi-tension, parce qu'il trouvait des meilleurs repères, et il était descendu jusqu'à 6 ou 7 de tension par rapport à sa raquette. Voilà. Renan, je te donne la parole pour la question sur la physionomie et sur effectivement comment tu gères ton coaching selon la physionomie du match. Attends, hop, c'est bon. Oui, effectivement, cette histoire de tension, ça a duré un moment. Hein. Ce n'était pas qu'à Mulhouse. Ce n'était pas seulement dû aux conditions extrêmes de Mulhouse. Alors, ouais, bien sûr qu'on adapte en permanence, hein, suivant la physionomie du match. Si ça se passe bien, ben, y a la nécessité d'appuyer sur ce qui a fonctionné. Et des fois, le joueur... Ça a fonctionné, mais des fois, il ne sait pas pourquoi. Donc, il faut lui remettre des mots sur ce qui a fonctionné. Il ne le voit pas toujours. Donc, ça, c'est important d'en parler. Et puis après, il y a aussi, quand ça fonctionne, il y a aussi la nécessité, la capacité à déjà anticiper ce que va pouvoir peut-être mettre l'adversaire en place pour aller contrecarrer les plans qui viennent de fonctionner au jeu précédent pour ton joueur. Donc, il faut être… C'est un jeu d'échecs. Hein. Il faut être parfois en avance de quelques coups. Donc, il y a cette nécessité aussi de rappeler l'état de vigilance dans lequel le joueur doit se trouver quand ça a bien fonctionné. Puis après, bon, bah, vous venez tous de le dire. Il y a des fois, c'est primordial d'aller jouer sur la corde sensible. Hein. Mathieu a dit parfois des choses qui sont personnelles. Alors, bien sûr, dans la relation que tu construis au quotidien avec ton joueur, avec tes joueurs, c'est primordial pour pouvoir aller sur ce port-là. Parce que oui, effectivement, des fois, ça fait mal au joueur qui est dans cette stratégie de l'évitement,
dans la culpabilité, etc. Et il a tendance à se cacher derrière des choses. Alors, parfois, il le fait de manière inconsciente, mais néanmoins, c'est là et il faut arriver dans ces 2 minutes à aller jouer sur cette corde sensible. C'est pas évident. Hein. Moi, j'ai un souvenir de Nantes. Nantes, il y a 2 ans, je crois, où j'ai un joueur qui fait un très bon tournoi et il arrive sur sa, bon, je vais le dire, c'est sur sa demi-finale, donc vous saurez rapidement qui c'est. Et en fait, il passe au travers de sa demi-finale alors qu'il est dans un cadre de fou et pour essayer de lui faire inverser la tendance, je suis allé sur cette corde sensible et ça n'a pas fonctionné. Mais néanmoins, comme on l'a dit, c'est un pari, quoi. On est un peu des funambules et des fois, hop, tu perds l'équilibre, hein, ça va dans le, et d'autres fois, ça va dans le bon sens. Et puis après, qu'est-ce qu'on peut ajouter par rapport à tout ce qui s'est déjà dit? Sur quoi on peut s'adapter aussi, si un jeu s'est bien passé, il y a ce qu'on fait, nous, notre posture entre les jeux. Des fois, il y a 2 chaises, alors des fois, on s'assoit à côté du joueur, on réconforte, on trouve les mots pour lui faire enfoncer le clou, continuer dans ce qu'il vient de faire. Puis des fois, il y a besoin d'être debout, parce que le joueur, lui, est resté debout. Alors, Mathieu le disait tout au début de l'intervention, des fois, le joueur, il part, il va à 15 mètres. Donc, qu'est-ce que je fais? Je suis ridicule et je le suis, ou j'ai bien compris qu'il faut le laisser tranquille? Non, tu restes à ta place, tu le laisses tranquille, et puis quand il sera disponible au niveau émotionnel, il pourra s'instaurer un échange. Alors, des fois, tu restes assis, des fois, tu es debout, parfois, tu es accroupi, hein, t'es pour aller chercher le regard du joueur. Des fois, c'est le joueur qui vient te chercher, il en a besoin pour sentir que il est te faire sentir qu'il est en détresse. Donc, tu dois te mettre à sa hauteur. Tu ne dois pas être au-dessus de lui à rester debout alors que lui est assis. Il faut être au même niveau que ton joueur. Des fois, il faut même être en dessous. Donc, des fois, tu t'accroupis. Et là, tu peux des fois déclencher des choses sans les mots, quoi. Ça, c'est important. C'est important d'avoir ce contact physique, en fait, ou juste le regard qui peut être important. Après, j'aime pas trop, je vois souvent ça sur des coachings de nations étrangères ou sur des jeunes notamment. Ils leur parlent, ils sont à l'oreille, quoi. Ils leur crient à l'oreille ou ils sont à 5 cm du nez du joueur. Ça, je suis pas fan. Je suis plus dans le qui est une accroche et une posture. Une posture, on va dire, plus raisonnée. Merci Renan. Mathieu, tu voulais rebondir. Je te demanderai de rebondir rapidement pour qu'on puisse passer aux questions suivantes. Je voulais juste un petit truc, c'est que parfois, il faut, je pense aussi, être capable d'emmener le joueur là où il ne maîtrise pas forcément. C'est-à-dire que les joueurs ont tous des points forts ou des points faibles. Je donne un exemple. Mon Greg, il est très fort à gauche, en revers, devant à gauche, etc. Mais que parfois, sur un match, la clé, elle est peut-être pour lui d'aller jouer sur son coup le moins fort parce qu'on pense que c'est là où il peut peut-être faire la différence. C'est-à-dire que, en fait, tous les choix sont possibles. Toutes les directions sont possibles et il ne faut pas forcément s'arc-bouter sur le point fort de l'athlète. C'est que le point fort de l'athlète, c'est peut-être aussi le super point fort de l'autre. Et que parfois, moi, je sais que des fois, c'est déjà arrivé, je joue peut-être un peu plus en coup droit. Ouais, mais le coup droit, ouais, mais l'autre, sur ce coup droit-là, ce jour-là, il n'est vraiment pas bon, quoi. Et la clé, elle est peut-être là. Donc voilà, c'était juste encore une capacité à sortir du cadre. Merci Mathieu. On va passer à la question suivante qui était donc, y a-t-il des joueurs ou des joueuses difficiles à coacher et comment vous gérez cette situation? Philippe, je te donne la parole pour répondre à cette question. Oui, donc je réponds par l'affirmative déjà. Oui, il y en a avec qui c'est plus difficile. Moi, je mettrais peut-être qu'il y a, j'ai pas vu un autre cas, mais je mettrais deux cas.
je mettrai la joueuse instinctive. Il y a des joueuses qui sont instinctives, c'est-à-dire qui sentent le jeu et dans lesquelles tu as du mal à les mettre un petit peu, si tu veux, dans une stratégie et une tactique. Leur instinct prend toujours un petit peu le dessus. Et ça, ce n'est pas facile. Alors, comme tu aimes bien les exemples, j'en ai un. Je crois, à San Francisco, tu as Melissa qui joue contre Chinapa. Un beau match, quoi. Melissa qui avait déjà fait une performance avant en battant une top 20. Et là, elle se retrouve sur une top 15. Voilà. Et là, on a deux joueuses instinctives pour moi sur le court. On a deux joueuses instinctives. Donc, je laisse faire. Bien sûr, il y a une trame, mais je laisse faire pour voir comment ça se passe. Et en fait, dans ce jeu-là, à l'instinct, c'est Melissa. C'est Melissa qui prend le dessus. C'est Melissa qui est dessus. Et chose assez incroyable, c'est qu'elle prend le dessus et c'est l'autre qui sort de son instinct et qui rentre dans quelque chose qu'elle n'aime pas, c'est-à-dire la patience, okay, en jeu de fond de cours. Alors que c'est une fille qui, dès qu'elle peut, elle attaque, elle cherche tout le temps dans ses frappes de balle à la coupure, au fait de marquer le point très rapidement. Et là, c'est très difficile avec une joueuse d'instinct, sauf qu'il y en avait une qui était plus expérimentée, plus âgée, c'est Chinapa, mais c'est très difficile avec une joueuse d'instinct de pouvoir, si tu veux, arriver à la canaliser vraiment sur le thème qu'il faut utiliser, la tactique qu'il faut utiliser, parce que je pense justement que les habitudes, l'instinct est là et revient. Okay, donc surtout que c'est une fille qui a toujours beaucoup joué à l'instinct comme ça. Donc voilà, moi je mettrais déjà cette classification, les joueurs un peu d'instinct, c'est un petit peu plus difficile. Puis après, bien sûr, je mettrais les joueuses, comment je pourrais les cataloguer, si ça n'a rien d'insultant, mais un petit peu plus caractériel, un petit peu plus expressif sur ce qu'elles ressentent et sur justement tout ce qui peut se passer sur un court avec les contacts, avec des décisions d'arbitre. Et là, effectivement, je mettrai cette catégorie difficile à coacher parce que tu vois bien que ça perturbe tellement que des fois, il ne peut pas y avoir de match facile. C'est-à-dire que même un match où tu te dis, bon, il y a quand même un déséquilibre entre le niveau de mes deux joueurs, il y en a une qui maîtrise, oui, mais cet aspect-là peut prendre le dessus. Et même si elle s'en sort, c'est forcément beaucoup plus compliqué. Et toi, là-dessus, tu vas forcément axer énormément ton coaching là-dessus, coaching toujours très court, énormément là-dessus, et t'aimerais bien, toi, en tant que coach, passer du temps à autre chose. Parce que toi, ce que t'aimes bien, c'est quoi un coaching facile? C'est quand tu te dis, bon, ben voilà, on est en train de parler de la problématique sur le cours, de la vraie problématique, c'est quelle solution on doit trouver pour mettre l'autre dans le rouge, pour faire en sorte que l'autre, elle ne marque pas de points. C'est ça l'âme du coaching. Et du coup, bien sûr que le mental en fait toujours partie, mais quand il prend autant d'importance, c'est très difficile. Parce que déjà, tes messages tactiques peuvent être un petit peu inaudibles. Et tu es quand même obligé de passer du temps sur le coaching mental qui peut être ne regarde pas ton adversaire, oublie-la, oui, mais elle me rentre dedans tout le temps, oublie-la, trouve des solutions dans ton jeu, puisqu'elle te rentre dedans tout de suite, tout le temps à l'avant-droite, fais-lui croire que tu mets la balle à l'avant-droite, mets-la à l'arrière-gauche ou ne serait-ce qu'à l'avant-gauche, sers-toi justement de ce qui est en train de se passer et qui t'énerve, qui te frustre. Trouve des solutions dans le jeu. Je crois que Mathieu le disait, c'est peut-être sur la première question, il en a parlé de ça. Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il faut arriver à orienter sur des choses qui sont beaucoup plus basiques, qui sont dans la tactique, et du coup, pouvoir arriver à sortir de la frustration de la joueuse qui a, je dirais presque, on ne peut pas dire qu'elle se complaît là-dedans, mais c'est le premier truc sur lequel ce joueur-là ou cette joueuse-là va aller, c'est sur le fait de tout de suite être en réaction, mais être en réaction par rapport à ses contacts, par rapport à l'arbitre, par rapport aux décisions. Ça peut venir de partout, du public qui se lève sur les gros tournois, des publics qui se lèvent et tout. Et du coup, là, il n'y a plus le focus sur la problématique. Et là, c'est le deuxième cas où forcément, c'est difficile, le coaching est plus difficile.
Merci Philippe. Mehdi, je te donne la parole pour répondre à cette même question. Est-ce qu'il y a des joueurs, des joueuses difficiles à coacher? Oui, forcément. En tout cas, il y a des joueurs qui sont plus difficiles que d'autres et il y a des joueurs qui sont très difficiles à coacher. Après, il y a aussi des situations qui sont difficiles à coacher. Il peut y avoir des joueurs où en règle générale, le coaching, il est normal, quoi. Il est assez simple. Et il y a des situations où, parce que le joueur n'est pas très bien ce jour-là, où il n'a pas bien dormi, où il a mal quelque part, où on parlait des problèmes de raquettes, où le coaching va être un peu plus compliqué que les autres jours, quoi. Après, moi, je rejoins un peu Philippe, c'est ce que j'avais noté un peu sur les coachings difficiles, ce qu'on appelle les joueurs difficiles. Bah, un peu pareil que Philippe, il y a les joueurs un peu trop émotifs, ils vont pas être super réceptifs au coaching, que ce soit aux consignes tactiques ou même au reste, quoi, parce qu'ils vont sortir toujours un peu énervés. Chez les jeunes, encore plus, il y a des jeunes qui se mettent à pleurer dès la fin du premier jeu, quoi. Ça, c'est sûr, ça va être un peu plus difficile à coacher. Après, on va faire le maximum pour les rassurer à la fin du jeu et essayer de les remettre dans le match. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Des fois, ça marche. Et généralement, les petits qui sont hyper émotifs, ça va être super compliqué de les remettre dans le match. Et après, il y a des joueurs qui, sur le match, n'arrivent pas à trouver de solution tactique. On leur donne des éléments pour réussir à jouer correctement la personne, mais malgré ça, n'arrive pas à trouver de solution tactique. Et là, c'est un peu compliqué parce que le joueur est complètement perdu. Et ça va être un jour où le coaching va être difficile. Et sur ce genre de schéma-là, moi, j'essaye d'aller au maximum sur la combativité. Je me dis que si tactiquement on a du mal à s'en sortir, peut-être que la seule chose qui peut nous donner le déclic, c'est d'être hyper combatif et peut-être que ça va faire tourner le match à un moment pour compenser le manque de solutions tactiques qu'on va pas trouver. Sachant que forcément ça va être un jour compliqué. Donc voilà, c'est pour ça que je m'oriente sur des joueurs un peu qui sont perdus tactiquement, de m'orienter un peu plus sur la combativité. Voilà, et chez les jeunes, Après, chez les jeunes, il y a encore d'autres choses. C'est qu'il y a des joueurs qui, tactiquement, quoi qu'il arrive, ne jouent pas très bien et on va souvent sur le domaine de la combativité, quoi. Il y a des jeunes où c'est comme ça, où tactiquement, c'est rarement bon et on est obligé souvent d'aller sur ça, le domaine de la combativité, donc aller se bagarrer. Voilà. Et après, il y en a qui arrivent à s'en sortir un peu comme ça, quoi. Voilà. Merci Mehdi. Je vais donner la parole maintenant à Yann sur cette même question. Effectivement, est-ce qu'il y a des joueurs qui sont difficiles à coacher et comment tu gères cette situation? Difficile à coacher. Je dirais que ça peut être difficile avec tous les joueurs. Il y en a qui ont juste plus de caractère que d'autres. Et quand c'est des moments difficiles, ces caractères, des fois, s'expriment de manière plus, comment dire, plus vigoureuse. Et du coup, le coaching peut devenir difficile. Mais il m'est arrivé avec des joueurs qui sont très faciles au coaching, qu'il soit un joueur qui est très facile au coaching, mais ce jour-là, ben, il y a eu un souci, on sait pas, avant le match, un problème dont tu n'es pas au courant. Et finalement, le coaching peut devenir très difficile parce que la personne n'est pas à l'écoute, elle n'est pas réceptive aux informations et du coup, ça devient difficile. Donc, j'ai envie de dire, c'est même plus compliqué dans ce cas-là que de coacher quelqu'un qui a beaucoup de caractère et qui s'exprime, parce que celui qui a du caractère, au bout d'un moment, tu commences à le connaître et tu sais comment l'approcher, tu sais comment l'aborder, tu sais comment pas le contrôler, mais l'influencer pour qu'il puisse être disponible à tes conseils et tes consignes. Mais voilà, je pense que vraiment les coachings les plus difficiles, c'est quand tu penses que tu vas maîtriser la chose et que finalement il y a des impératifs, des problèmes dans la situation dont tu n'étais pas au courant. Et là, ça devient vraiment très compliqué à coacher. Très, très compliqué. Moi, il m'est arrivé des situations où j'avais des joueurs, mais qui sont toujours très calmes, très à l'écoute. Et puis d'un coup, tu ne sais pas pourquoi ce jour-là, tu te fais envoyer chier, tu ne peux pas en placer une, le joueur.
comme on disait avec Ronan, il n'arrive pas à poser son regard, il n'arrive pas à être à l'écoute. Et tu te bats. Là, c'est des réels combats pour réussir à faire raccrocher la personne. Là, c'est des coachings vraiment très, très difficiles. Et très souvent, faut être très roublard pour réussir à faire raccrocher la personne et à la faire revenir dans la situation de jeu, quoi. Mais après, moi, j'aime ça, le coaching. Donc, il n'y a pas de situation. Je ne trouve pas que c'est difficile. Je trouve que c'est un jeu avec le sportif où on essaye vraiment de trouver toujours une solution pour qu'on arrive à faire passer le message. Et donc, du coup, quand c'est difficile, c'est presque encore plus intéressant, quoi, parce que ça nous met en éveil, ça nous stimule, nous aussi, au coaching. Merci, Yann. Ronan, à ton tour. Oui, j'abonde vraiment dans le sens des intervenants précédents. Pour moi, oui, tous les joueurs peuvent à un moment, à un instant T, être difficiles à coacher. Alors, certes, ceux qui sont beaucoup plus dans l'émotivité peuvent parfois avoir des dérives. Hein, on l'a dit plusieurs fois, ce sentiment d'être jugé, ce sentiment d'être coupable de quelque chose, cette stratégie de l'évitement parfois où le joueur part sur quelque chose qui est complètement à côté de la plaque. Donc là, il faut trouver les mots, le comportement pour les remettre sur le bon rail, parce que là, c'est à ce moment-là, c'est l'ego en fait qui a pris le pas, hein. C'est l'ego qui est en train de te répondre en face de toi. Il n'y a plus que l'ego du joueur, donc il faut arriver à trouver la parade pour lui faire retrouver la raison, quoi. Donc des fois tu trouves un mot puis le joueur va te répondre ouais, mais je fais pas exprès. Tu crois que je fais exprès? Non. Et c'est très bien que tu fais pas exprès, mais néanmoins tu l'as fait. Donc il faut faire en sorte de remédier à ça, quoi. Se recentrer sur les basiques, encore une fois, hein, sur revenir parfois aux aspects tactiques, aux aspects basiques, retrouver tes cibles, reprendre ta détermination, de l'intention dans chaque frappe, revenir sur des choses basiques. Alors des fois ça fonctionne pas, hein, quand le joueur a vraiment été trop pris par l'émotivité, qu'il n'est pas sur l'objectif de performance, qu'il est plus sur l'objectif de résultat, qu'il est pris par des éléments, on va dire, extérieurs, mais ça devient très 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 difficile. Essaye toujours d'utiliser des phrases affirmatives dans ces cas-là, dans les 2 minutes de, on le dit, de pas utiliser de négation, etc. Donc c'est important, c'est tous les mots, voilà, faut peser ces mots à chaque fois, c'est important. Et oui, il y a des, pour répondre à la question, oui, il y a des joueurs plus difficiles à coacher, mais comme vient de le dire Yann, c'est passionnant, quoi, c'est vibrant de coacher ces joueurs-là, parce que quand ils sont dans la panade et que tu arrives à les sortir de cette spirale et qu'au bout, il y a la victoire ou au bout, il y a un apprentissage qui s'est fait et que ça va servir pour les tournois d'après ou dans la saison, mais là, c'est le pied, c'est un kiff total. Et puis, on a besoin aussi de ces joueurs-là qui sont difficiles à coacher. On en a besoin, on n'a pas envie d'avoir que des athlètes lisse. On a besoin de joueurs qui sont interactivants, qui sont dans la réaction. Alors des fois, c'est, oui, des fois il y a de l'irrationnel là-dedans, mais encore une fois, voilà, le sport de haut niveau, c'est pas rationnel, donc ça fait partie du métier d'avoir à coacher des joueurs ou des joueuses qui sont difficiles à coacher. Je coachais essentiellement des garçons, mais il y a certaines filles très difficiles à coacher que moi, je trouve faciles à coacher. Donc, un entraîneur peut trouver un joueur ou une joueuse difficile à coacher et puis un autre, de par sa sensibilité ou ses interprétations,
peut au contraire avoir les leviers et trouver les solutions pour emmener ce joueur dans un peu plus, ou cette joueuse dans un peu plus de facilité, et trouver le chemin de la compréhension tactique qui va lui permettre de sortir du cours vainqueur. C'est ça la finalité. Merci. Mathieu, est-ce que les joueurs que tu coaches sont difficiles à coacher? Je dirais que moi j'ai moins la problématique de Philippe, Renan et Yann et Mehdi, parce que moi, en professionnel, j'ai guère que Greg a coaché. Donc, c'est un profil sur lequel je me suis adapté avec mes habitudes, alors que les autres, ils ont pléthore de joueurs, de profils. Il y en a qui sont plus instinctifs, d'autres plus carrés, d'autres caractériels, d'autres plus instables, d'autres plus stables, etc. Donc, je dirais que oui, il y a forcément des joueurs qui sont plus difficiles à coacher, mais par rapport à ce que nous, on est capable de faire. Renan disait très bien, c'est une question d'adaptabilité. Philippe va trouver un joueur dur à coacher et Renan pas forcément, et vice versa. Donc en fait, ça vient beaucoup de nous en tant que coach, c'est-à-dire que ce qui est très compliqué, c'est d'essayer de trouver toujours ces portes d'entrée, ces leviers qui vont permettre nous de nous adapter à la problématique du joueur, quelle qu'elle soit. En gros, il y a deux types de problématiques. Il y a vraiment les problématiques d'ordre émotionnel et mental et comportemental, et puis après les problématiques d'ordre technico-tactique. Alors bon, le technico-tactique, c'est plus rationnel, c'est plus objectif. Il suffit juste d'essayer de savoir ce que le joueur est en capacité de pouvoir faire. Mehdi disait bien que quand t'as un gamin qui sait pas faire un amorti de revers, même si la clé elle est en amorti de revers, tu vas pas l'emmener sur l'amorti de revers. C'est pas que le joueur il est compliqué, c'est juste que à toi de t'adapter justement à ce type de joueur là. C'est-à-dire que bien évidemment que si pour battre un joueur il faut jouer beaucoup plus vite. Mais si ton joueur il est fatigué ou il n'est pas en capacité de le faire, tu vas pas l'emmener là. Donc c'est pas que le joueur est compliqué, c'est que la situation est compliquée, c'est le contexte est compliqué. Et parfois, donc là on est sur les aspects plutôt technico-tactiques, donc c'est plus objectif. Mais par contre, quand on est sur de l'émotionnel, du comportemental ou du mental, là c'est beaucoup plus subjectif. C'est-à-dire que là c'est sur quelle corde je vais jouer quoi. Il y a des joueurs, tu sais très bien que ils vont pas vraiment t'écouter quoi, ils vont être là, ça rentre là, ça ressort là. Il y en a d'autres qui t'entendent mais qui mettent pas en place, ils te disent oui, ils ont bien compris, et le premier point du match ils font tout à l'envers tout de suite. Donc c'est soit il a pas entendu, soit toi dans ta capacité à transmettre le message, bah t'as pas trouvé le levier, ou que lui il n'est pas en capacité ce jour-là de pouvoir réagir à ce que tu lui dis quoi. Je sais plus qui disait, tous les joueurs sont un jour faciles à coacher et un jour difficiles à coacher. Greg, il y a des fois, ça a été super dur. Et puis, sur la fin, c'est du caviar. Sur la fin, là, juste avant qu'il se blesse, là, c'était Greg, il était en autonomie. On était juste là, presque, à regarder, juste à affirmer. Et puis, parfois, il y a des fois où c'était très, 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 très dur. Hein. Donc, je dirais que ce qu'il faut, c'est être capable à un moment donné de couper le joueur quand tu sens que dans son discours et dans son comportement, c'est hors sujet. Le joueur qui se justifie, le joueur qui trouve des stratégies d'évitement, le joueur qui se trouve des excuses, le joueur qui essaie de se faire justice par rapport à un truc, tout de suite, il faut lui faire prendre conscience que là, mon gars, c'est pas le moment. Et en fait, à ce moment-là, l'idée c'est quand même de les remettre à la tâche quoi. C'est-à-dire que c'est de les refocaliser sur ce qu'ils ont à produire avec les outils qu'ils maîtrisent au quotidien, et les emmener là-dedans avec un discours de confiance, de positif, avec un axe mais c'est difficile parce que toutes les personnes sont pas pareilles, et même une même personne est jamais dans la même. Donc
Il faut beaucoup de feeling. Voilà. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Donc il reste encore deux questions. Donc on va déborder un peu sur la durée prévue du webinaire. Je vous remercie les conférenciers à ceux qui peuvent rester de continuer à effectivement continuer à échanger sur les sujets. Donc la prochaine question, c'est est-ce que ça vous arrive donc de vous trouver mauvais sur un coaching? Et puis généralement, quand vous vous sentez mauvais, c'est quoi le problème? Si jamais il y a des généralités à faire, donc je vais donner la parole à Philippe. Tiens, pour commencer. Donc, franchement, avec les questions précédentes, je pense qu'on a bien fait comprendre un peu tous que oui, ça nous arrive de se sentir mauvais, en tout cas de se sentir impuissant. C'est comme ça qu'il faut le voir. Mais je pense qu'il y a les deux. Il y a les deux. Il y a cette impuissance où forcément, on va un petit peu vers le fautif, entre guillemets, enfin, la problématique chez le joueur. Donc, on se sent impuissant. On sent qu'on n'arrive pas. On n'arrive pas à apporter quelque chose. Et puis après, là, effectivement, le fait qu'on se sente nous-mêmes mauvais. Alors bon, on est des êtres humains, on peut être à un moment, nous aussi, même si on fait tout pour que ça ne soit pas le cas, mais on peut à un moment donné avoir une visibilité ou une lisibilité de ce qui se passe, un peu contrarié par des faits de la vie, hein, tout simplement. Même de la fatigue, pourquoi pas, etc. Mais après, être mauvais par rapport à un coaching, c'est à un moment donné se dire peut-être que... en général, moi, je dis qu'on est mauvais, il peut y avoir deux moments. Il peut y avoir sur le match où tu te dis que ça ne prend pas, C'est-à-dire que tu penses que ce que tu dis est bien, mais le joueur n'y arrive pas. Et dans ces cas-là, tu ne sais pas si c'est ton message qui n'est pas assez clair, si tu n'arrives pas, que ce soit sur l'aspect mental ou sur l'aspect tactique, puisqu'on dit que depuis tout à l'heure que c'est les deux aspects dans le coaching qui sont primordiales. Donc, tu ne sais pas qu'est-ce qui fait que là, ça passe pas. Moi, j'ai un exemple là-dessus où je n'ai pas réussi à tranquilliser ma joueuse. Et pourtant, ça n'allait pas si mal que ça. Mais le stress était là, et le stress a fait à un moment donné qu'il a pris tellement d'importance que la finalité était mauvaise, alors que les indicateurs étaient bons, 1-0, 2-0, et puis 1-2, 2-2, et puis 2-3, défaite. Et c'est vrai que là, dans ce cas-là, tu te sens mauvais, forcément, parce que même si c'est l'aspect mental, un Mathieu dont c'est un petit peu là, une des spécialités, il sait un peu tout faire, mais qui sait, c'est un petit peu une spécialité, le mental, nous on en fait du mental, on est obligé d'en faire. Et d'ailleurs, des personnes comme Mathieu, il n'y a pas que lui, mais nous apporte énormément. Moi, tous mes athlètes qui travaillent avec des préparateurs mentaux, donc sont des gens qui apportent beaucoup au coach, je dirais au coach général, le coach qui maîtrise tout, qui doit tout maîtriser, pardon, et qui est présent sur le derrière les cours et pendant les tournois. Mais si tu veux, voilà, il y a eu cette incapacité de ma part à tranquilliser mon athlète, même si une fois de plus les feux étaient ouverts. J'ai pas réussi. Donc là, moi, je me suis trouvé mauvais parce que sur ce plan-là, j'ai pas réussi à faire quelque chose et qui pourtant pourrait paraître évident pour des spectateurs en disant mais comment c'est possible que tout allait bien et tout, etc. Et que à un moment donné, ça n'a pas été bien alors qu'il n'y a pas eu vraiment un changement tactique. C'est vraiment, il s'est passé quelque chose dans la tête. Et puis après, effectivement, si on reste sur l'aspect tactique, à un moment donné, tu sais, quand tu entraînes des joueurs qui sont parmi les meilleurs mondiaux, tu peux te dire qu'ils savent tout faire. On parle depuis tout à l'heure de joueurs qui ne savent pas. Petite anecdote juste rapide, moi je suis un joueur de club et je suis plutôt avec des copains donc, qui jouent 3e série, 4e série. Et puis des fois, ils me disent hey, « Philippe, tu nous coaches ?» Ils sont super contents, ils ont le coach national, tout ça. Putain, je suis une bille, je ne sais pas quoi leur dire. Je ne sais pas quoi leur dire parce que ça là, je dis « Ouais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi ?» Tu mets la balle au fond à gauche, ça va être mieux, mais tu n'y arrives pas à la mettre au fond à gauche. Bon, donc, je laisse tomber, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Donc, quand tu reviens au niveau international, tu te dis « Ta joueuse, elle sait tout faire. Elle sait tout faire, machin, etc. » Et pourtant, elle sait tout faire. Et puis ce jour-là, dans ce qu'elle sait tout faire, elle, voilà, l'autre prend le dessus là-dessus.
l'autre prend le dessus. Il y a une problématique qui fait que toi, tu n'arrives pas, Je pense que c'est dans la, clarté. Je ne suis pas là en train de dire qu'on est responsable de tout, mais quelque part quand même. Mais si tu veux, on ne peut pas dire… De toute façon, c'est l'athlète qui gagne le match. Et puis, du coup, un peu se dédouaner du coup quand il le perd. En disant, j'avais dit que c'était lui qui le gagnait, donc c'est lui qui l'a perdu. Non, c'est trop facile. Il faut que nous, on arrive à se dire quand même quelque part que oui, on a une incidence. On a une incidence. Et dans les deux cas. Donc, moi, je pense, si tu veux, qu'il faut… il faut être en, il faut vraiment à chaque fois progresser dans nos coachings. Moi, je dis toujours qu'un entraîneur, il progresse dans sa manière d'entraîner au quotidien sur le court, mais il doit progresser aussi dans ses coachings. Et ça, c'est l'expérience qu'il apporte. Et surtout, comme je le disais tout à l'heure sur une autre question, le retour des athlètes, ce retour, il est fabuleux. Il est fabuleux. C'est pour ça que briefing, coaching, débriefing. Le débriefing, ce n'est pas que le débriefing du joueur. Dans le débriefing, il y a le débriefing aussi de ce qui s'est passé entre toi dans les coachings et ton joueur. Et ça a une valeur inestimable. Pour résumer, et comme tu sais qu'on est un peu à la bourre, oui, je me suis déjà senti mauvais. Merci Philippe. Yann, je te donne la parole au sujet de ce point. Ah oui, il y a des fois où on n'est pas très performant, entre guillemets. Ça, la difficulté, nous, qu'on a chez les jeunes, je parle surtout quand on est en tournoi européen, c'est qu'on coach de 9h du matin à des fois minuit, non-stop. Et il arrive un moment où, comment dire, cette capacité à gérer les émotions devient très, très compliquée parce qu'on est sous l'effet de la fatigue. Parce que, comme on le dit hein, depuis le début, on n'est pas que des coachs, on vit le match pleinement. Donc, nous aussi, pendant que le joueur est sur le court, on transpire, on s'énerve, on s'agace, on se frustre. On a des passages de joie aussi. Et il faut réussir à gérer tout ça pour que pendant la minute 30, on soit efficace. Et il m'est arrivé des fois sur des tournois européens, où malheureusement, le soir, généralement, c'est les matchs de tableau qui se jouent tard le soir. Souvent, donc c'est-à-dire que c'est des joueurs qui sont encore dans le tableau et on arrive dans un état de fatigue où on n'est plus très lucide et on s'aperçoit qu'en fait on est tombé à être un peu une machine à donner des conseils. On n'est plus trop dans l'adaptabilité et ça m'est arrivé une ou deux fois où j'ai vraiment eu ce sentiment où je, pas d'avoir servi à rien, mais d'avoir traversé le match. Et de ne pas avoir été dans l'échange, pas avoir été ma capacité à amener le joueur là où il voulait gagner, quoi. Et vraiment, c'est très, très frustrant quand on vit ces moments-là. Alors, c'est vrai que des fois, on vit souvent la situation, Mehdi pourrait le confirmer, hein, chez les jeunes, où on enchaîne, on aime bien prendre des fois 5 minutes après un match et il y a des parents ou des joueurs qui viennent nous chercher. Il y a mon fils, ma fille qui joue, tu peux venir, machin. Il y a des moments où il faut… S'il vous plaît, juste 5 minutes, qu'on ait le temps de se remobiliser pour le match suivant. Parce que, on n'est pas juste des machines à donner des conseils, on vit toutes les émotions, quoi. On les vit pleinement. Donc, du coup, ça devient… Il y a des fois où on arrive usé sur un match en fin de journée. Et c'est là où, moi, souvent, j'ai fait les plus mauvais coachings. Et malheureusement, c'est là souvent où c'est les matchs les plus importants des fois qui se jouent. Donc, maintenant, avec le temps, on a appris. Hein, on a appris à prioriser entre guillemets nos coachings sur ce genre de tournoi où on va donner priorité à un coaching sur un tableau plutôt que sur un plateau quand il y aura des matchs pour être le plus efficace possible pour pouvoir nous aussi nous protéger un peu parce que on se doit d'être présent pendant le match de notre joueur quoi qui est dans le tableau et de pas être juste un mec assis sur une chaise derrière qui regarde le joueur dans une balle quoi. Donc voilà, ça arrive des fois d'être mauvais. Ouais. Merci Yann. Justement, Mehdi, pour compléter un petit peu ce que disait Yann, je te donne la parole, étant donné que tu es un peu dans le même contexte que lui quand que tu fais du coaching auprès des jeunes. Ouais, mauvais. Moi, je me sens plutôt bon dans cet exercice, mais non. sans rire, il y a deux moments où je me sens. Pas très bon, comme disait Philippe, quand on n'arrive pas à,
à activer les bons leviers, quoi. Qu'on n'arrive pas à activer les bons leviers, où on a l'impression que la personne n'arrive pas du tout à faire ce qu'on lui dit, et on n'arrive pas du tout, à gérer ça, et finalement la personne perd le match, et on se dit que c'est dommage, il y avait peut-être moyen de faire quelque chose, mais on n'a pas réussi à trouver les bons mots. Ça, c'est la première, le premier moment. Et le deuxième moment, c'est clair, comme dit Yann, par exemple, là, pour l'Open de France, par exemple, on coachait 15 matchs par jour. Il y a un moment où ça y est, c'est blackout, il n'y a plus rien. Pour coacher, on a besoin d'être en forme mentalement, de gérer ses émotions, de rester calme. Au bout d'un moment, au bout du 10e, 12e match, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué de rester calme, c'est compliqué de gérer ses émotions, c'est compliqué de regarder le match et essayer d'analyser autant l'adversaire que son joueur. Moi, je sais que entre chaque match pour les Open européens, entre chaque match, j'essaye de sortir 5 minutes, je vais dehors. Je vais dehors 5 minutes entre chaque match parce que c'est obligé, je dois prendre l'air. Les matchs ils s'enchaînent, il y a des matchs toutes les 40 minutes. Donc j'essaye de sortir voilà, à l'extérieur entre chaque match, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a un paquet de tournois où je sais qu'en fin de journée, je suis mauvais parce que je ne suis pas dispo. Mentalement, je ne suis pas dispo et c'est compliqué d'être disponible, quoi. Voilà. Merci Mehdi. Merci Mehdi. Mathieu, est-ce que tu peux nous dire si tu as été mauvais? Je crois que tu nous avais dit déjà que tu avais avancé une anecdote sur laquelle effectivement tu avais été plutôt mauvais. Ouais. Après je voudrais revenir sur le terme mauvais, hein. C'est-à-dire que quand on est coach, c'est mauvais, c'est un jugement de valeur, hein. Je pense qu'il faut toujours recontextualiser la notion de mauvais. C'est sûr que là, les exemples que Mehdi et Yann donnent, quand tu coaches 15 matchs dans la journée, le 12e, le 13e, le 14e, le 15e, faut bien se rendre compte qu'on n'est pas dans le même état que à 10h du matin, qu'ils ont pas la même endurance mentale, ils ont pas la même clairvoyance, et que c'est presque normal de pas avoir le même niveau de performance qu'en début de journée, quoi. Donc ça nous est tous arrivé de passer à côté d'un coaching, quel que soit le contexte, comme un joueur va passer à côté d'un match à un moment donné. Je dirais que la notion de mauvais, elle n'est pas forcément liée à la notion de résultat ou de réussite, tu vois. C'est que c'est pas forcément parce que le joueur a pas réussi qu'on a été mauvais. C'est-à-dire que moi, j'estime que quand on n'a pas été bon, c'est que pour ma part, c'est que j'étais pas là, quoi. J'étais ailleurs, ou alors que j'ai pas osé, j'ai pas essayé, j'ai été passif. Après, de prendre une direction, de faire un choix, ça nous appartient. C'est une prise de risque. Ça marche pas tout le temps. C'est comme de faire un amortimique, ça rentre pas dans le mix, ça fait la plaque. C'est une prise de risque. C'est pas pour ça que t'es mauvais. Mais le plus dur pour moi, c'est de pas avoir été capable à ce moment-là d'y aller, de faire quelque chose, de donner, tu vois ce que je veux dire, d'avoir eu cette clairvoyance et ce courage parfois d'y aller et de trouver le levier. Alors c'est sûr que je dirais que parfois on peut se tromper sur la tactique. Bon, ça arrive, on met en place un truc qui marche pas forcément. Mais pour moi le plus frustrant, c'est je vais rejoindre ce que Mehdi et Philippe disent, hein. C'est pas avoir réussi à le faire switcher, quoi. Tu sens que le joueur il est enlisé, tu sens qu'il est pas là, tu sens qu'il a besoin d'un coup de main, tu sens qu'il faut le faire sortir. Et ben t'as pas réussi. L'anecdote de dont je parlais tout à l'heure, c'était la finale des mondes aux Bermudes de Greg contre Chabana. Greg il est pas là, il n'est pas dans son assiette, il est perturbé, c'est une deuxième finale de championnat du monde de suite, il y a l'ancienne qu'il a encore dans son sac à dos, il y a tout le contexte de ce que ça représente. Alors moi j'ai été, mais je pense que si j'avais pas été là, ça aurait été pareil, voire peut-être mieux, quoi. Tellement, alors j'étais pas préparateur mental encore, hein, ça faisait quoi, 3 ans que je bossais avec lui, 2 ans, 3 ans,
que je l'accompagnais en tant qu'ostéo. Donc, je n'avais même pas encore la vision du squash actuelle. Je n'avais pas toute cette vision que j'ai maintenant et cette capacité à pouvoir, je pense, coacher correctement. Mais ce jour-là, je pense que j'ai été liquide, quoi. Liquide sur la chaise, et ça ne l'a pas aidé à être solide, quoi. Donc, oui, ça, c'est. Il y a des anecdotes comme ça, comme tu vois par exemple, c'est pareil, la finale des mondes à Rotterdam, où il joue Nick, où c'est très compliqué, et que je me souviens qu'il y a Hicham Achour qui vient comme ça s'interposer entre nous, qui me pousse, qui commence à partir dans des trucs mais complètement incroyables, à l'égyptienne, tu vois, des trucs une logorée verbale en anglais avec 50 000 informations, et moi je suis resté derrière. C'était Hicham Achour, j'étais là, finale championne du monde, je devais avoir autant les foies que Greg, autant dans le stress, etc. Et là, j'ai été mauvais parce que j'ai rien fait, tu vois. Et en fait, ça t'amène des regrets. Pour moi, la notion d'avoir été mauvais, c'est quand tu as des regrets, c'est quand tu n'as pas osé. Après, quand tu as osé, tu prends un risque, tu le calcules, ça ne marche pas tout le temps, tu as de la déception, mais au moins, tu as essayé les trucs. Tu vois. Mais oui, c'est heureusement que ça nous arrive, hein, comme disait Philippe, hein, on est dans l'apprentissage tout le temps, quoi. Tout le temps, on apprend, c'est en se trompant qu'on apprend. Mais on n'est pas des surhommes. Enfin, moi, j'ai jamais coaché 15 personnes dans la journée. Je sais même pas comment ils font, quoi. Pour à un moment donné accepter d'être, enfin, c'est votre boulot, les gars. Mais c'est sûr qu'il faut pas non plus se jeter la pierre, hein. Parce que l'endurance comme ça, parce que Renan et Philippe aussi, hein, quand vous avez 5 ou 6 joueurs sur les tournois et que faut aller à droite, à gauche, revenir, machin, dans le stress, tout ce que ça représente. Je pense que le dernier match que tu coaches, tu n'es pas dans le même état que le premier, c'est sûr. Merci. Renan, donc à toi aussi cette question. Donc, est-ce que tu as déjà eu des mauvais coachings? Ouais, comme les autres, hein, on a tous été à certains moments en difficulté. Après, Philippe a bien dit au départ, c'est qu'on est comme les joueurs, hein, on peut avoir des coups de moins bien, il peut y avoir une contrariété de quelque ordre qu'elle soit, hein, que ce soit santé, perso ou autre chose, hein, qui puisse interférer de manière négative sur ton état, donc ton état d'attention. C'est ça aussi une des clés, c'est que quand il y a une perte d'attention, comme l'ont dit Mehdi et Yann, par rapport à de la fatigue, ou t'enchaînes des coachings, ou alors nous, parfois, il y a des matchs de 2 heures et puis 5 minutes après, où il y a eu une charge et une décharge émotionnelle énorme, et que derrière, bah, tu dois repartir au charbon un quart d'heure après, ou alors dans un autre club, parce que ça se joue sur plusieurs lieux, et un quart d'heure après, tu dois déjà être de nouveau disponible pour un autre athlète, donc te remettre déjà tout de suite dans la stratégie qui a été élaborée sur le match suivant. Tu ressors tes notes, tu regardes, tu cherches ton athlète. Parfois, bah, effectivement, bah, bah, tu peux passer à côté de choses. Et ça, vous l'avez dit, Philippe et Mathieu, il y a ce côté frustration qui comporte un peu des fois comme un fardeau sur le trajet retour à l'hôtel ou dans l'avion du retour. Des fois, c'est très, très difficile à accepter pour nous d'être passé soit à côté de quelque chose, de s'être senti impuissant. On n'a pas réussi à faire inverser la tendance. On n'a pas trouvé ce déclic qui aurait pu faire pencher la balance de l'autre côté. Voilà, on a eu des manques. Alors après, ouais, j'ai bien aimé l'anecdote de Philippe sur les... on joue tous encore en interclub et à des niveaux bien moins importants que les joueurs qu'on coach. Et c'est vrai que moi, il n'y a rien qui m'agace plus que d'aller coacher que ce soit dans des tournois locaux ou dans des interclubs avec des matchs que j'ai pas préparés.
C'est-à-dire que tu peux venir me coacher, et là tu vas coacher, mais en fait, ton discours n'est pas du tout adapté à la personne que tu as en face, ou alors la personne, elle a pas les armes techniques pour ce que tu vas lui dire. Donc, c'est un discours de sourd quasiment. Donc ça, je déteste. Et puis après, vous avez dit sur la frustration, il y a l'aspect où tu as l'impression, en fait, tu t'es fait blouser, en fait, par le coach adverse. C'est-à-dire, tu avais un plan A, un plan B, un plan C, un plan D, mais sauf que le coach adverse, il y avait le plan E, quoi. Et ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps. Et j'en ai pas dormi de la nuit, quoi. C'était un match avec un très fort enjeu. Et là, forcément, c'est pas que tu t'es pas trouvé mauvaise, tu t'es dit c'est l'autre qui a été meilleur, quoi. Et bon, t'en prends un petit coup à l'ego. Voilà. Donc il y a ces situations-là. Et puis après, peut-être au début de notre collaboration avec Mathieu, où il y avait la nécessité pour chacun de trouver sa place. Donc, Mathieu l'a bien dit, il est arrivé en tant qu'ostéo et puis au fur et à mesure, il s'est formé sur l'aspect mental. Et c'est vrai qu'on s'est déjà retrouvé dans ces fameuses 2 minutes en n'ayant pas forcément assez échangé ou préparé la chose, ou alors préparé chacun de notre côté. Et puis justement, en fait, lui tenait un discours plutôt avec des termes guerriers, alors que moi j'étais plutôt là pour me dire là, non mais là il faut plutôt calmer Greg. Et donc là tu te dis forcément on s'est loupé. Bon, si je me souviens bien, il avait réussi à gagner ce match, mais néanmoins ça peut avoir des incidences, et c'est leur métier, quoi. On a une responsabilité qui est forte. Donc, c'est pour ça que ça nous impacte sur l'aspect frustration, sur l'aspect des regrets, etc. Où forcément, on est marqué. J'ai encore un exemple récemment. Je l'ai déjà dit dans un webinaire précédent. Je crois que c'était le webinaire avec les arbitres, où je suis sorti du match de Lucas contre Selby. J'avais une frustration et presque j'avais une envie de pleurer parce que je me mettais à sa place. J'avais de l'empathie pour lui et c'était, en fait, t'avais l'impression que le scénario était écrit, en fait. Plus tu voyais le match se dérouler, malgré que tu interviennes, plus tu te disais ça va se finir comme ça. Et ben, ça a pas loupé. Et là, t'es frustré. Alors, heureusement, dans ces tournois-là, en tant qu'entraîneur, tu peux vite rebondir parce que tu as un autre joueur derrière qui va enchaîner un quart d'heure après, une heure après, 2 heures après. Donc, des fois, tu as un petit peu le temps de te recentrer, de repréparer. Mais néanmoins, tu portes quand même ce fardeau de cette défaite où tu as l'impression de t'être fait berner, quoi. Et je peux aussi… Alors, Renan, je vais te frustrer un petit peu. Hein, je vais te frustrer un petit peu. Justement, par rapport au conseil, tu auras l'occasion de donner ton dernier conseil. On va faire un dernier tour de table. Ce sera la dernière question. Je vais donner la parole à Yann et je vais vous demander effectivement de tenir à peu près 30 secondes chacun pour répondre à la dernière question et donner un conseil que vous pourriez apporter aux spectateurs qui nous regardent, aux autres entraîneurs qui nous regardent. Merci. Vas-y, Yann. Pour moi, le principal conseil pour essayer d'être bon au coaching, c'est d'arriver le plus disponible possible derrière le match, c'est-à-dire d'être en capacité de laisser tous ces soucis personnels et tout ce qui peut nous tracasser derrière le cours, enfin bien plus loin, même au bar, on va dire, hop, voilà. Et puis, te rendre complètement disponible pour vivre le moment avec le joueur, pour pouvoir t'adapter justement. Si tu n'es pas disponible, c'est impossible, tu ne seras pas bon. Voilà, c'est mon conseil. Merci Yann. Allez, Renan, je lève ta frustration et tu peux donner aussi toi aussi ton conseil. Ouais, si je peux apporter un conseil qui peut servir à la construction des jeunes coachs ou même d'autres coachs, hein, c'est de se faire coacher aussi parce qu'on est dans une complexité. Donc, je pense que c'est important de se,
de se faire coacher. Bon, il y a des choses qui sont innées dans le coaching, mais il y a aussi des éléments, des problématiques qui peuvent surgir dans nos métiers. Et c'est important de se faire coacher. Donc, ça englobe pas mal de dimensions. Hein. C'est assez global. Et puis, j'ai bien aimé aussi un petit dernier conseil. C'est surtout quand on coach, quel que soit le contexte, que ce soit dans des gros tournois, dans des petits tournois, dans des endroits où il y a de l'espace, dans des endroits où il n'y a pas d'espace, c'est d'être coach. On n'est pas spectateur. À partir du moment où on devient spectateur, on n'est plus dans le job, quoi. On n'est plus dedans. On est sorti du truc. Donc, il faut faire comprendre aussi aux gens qui sont autour de nous. Alors, des fois, c'est pas facile. Le contexte fait dans des clubs, il y a des gens autour de nous. On n'est pas dans une discussion de comptoir, quoi. Nous, on est là pour bosser, quoi. Donc, il faut, comme l'a dit Yann, il faut de la disponibilité et faire comprendre aux gens aussi qu'on a besoin de cette disponibilité. Merci pour tes 30 secondes largement dépassées. Mehdi, à ton tour de nous apporter ton petit conseil. Alors, rapidement, je pense que c'est important de rester calme pendant le coaching, rester sur des conseils technico-tactiques ou mentaux et pas commencer à donner des consignes techniques. Ce qu'on peut voir sur des tournois jeunes, on peut voir des coachs qui donnent des consignes techniques. Donc rester vraiment sur du technico-tactique ou mental, c'est pas le moment de parler de technique. Et la dernière chose, pas donner une multitude de consignes, mais juste une ou deux consignes, c'est largement suffisant déjà et c'est déjà assez compliqué à intégrer pour le joueur. Merci, voilà. Mehdi, merci pour ta rapidité. Mathieu, à ton tour. C'est difficile hein, d'aller donner qu'un seul conseil parce que Ronan l'a bien dit, il y a une multitude de facteurs hein, qui rentrent en compte. Je pense qu'on a bien compris là, ça fait 2h20 qu'on parle de ça. Le coaching, ça part dans tous les sens et je dirais qu'il n'y a pas qu'un conseil parce qu'en fonction de ce qui va se passer sur le cours, est-ce que ça va être notre émotion à gérer? Est-ce que ça va être celle du joueur? Est-ce qu'on va intervenir sur l'émotionnel, le comportemental, le technico-tactique? Je dirais que pour rejoindre Mehdi, il faut faire simple, il faut être concis. Et quand on intervient sur les aspects spécifiques, effectivement, pas de technique et c'est plutôt les basiques, quoi, parce que c'est tout le temps ça qui revient. Et être disponible dans ce que tu vas avoir à donner, quoi. Voilà, c'est cette disponibilité à transmettre parce que en face on va avoir un récepteur de notre message et c'est quand même l'émetteur qui est quand même responsable du message qu'il envoie. Donc bien travailler sur la manière dont on va s'exprimer et dont on va véhiculer le message à l'athlète. C'est vraiment ça. Merci, on est garant de ça. Il a été bien plus long que moi, là. J'étais moins frustré. Philippe. Philippe, le dernier à intervenir. Tu es sûr qu'il me reste des secondes, là parce qu'avec ouais, je te les donne. C'est fini. Merci. Écoute, je vais faire plaisir à Ronan en faisant un petit peu aussi une diversion là-dessus, c'est que je pense qu'effectivement le coach doit se faire coacher. Ça paraît étonnant, mais c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que pour moi, c'est un peu mon credo, mais le meilleur coach, c'est le joueur ou c'est la joueuse. Et je pense même que ça peut aller plus loin que les adultes, ça peut être chez les jeunes. Donc, quand je parlais tout à l'heure du triptyque briefing, coaching, débriefing, il ne faut pas oublier que dans le débriefing, c'est super intéressant à un moment donné d'avoir le retour du joueur qui s'est fait coacher pour sentir toi comment il a vécu ton coaching. Donc, et c'est comme ça qu'on se construit, c'est comme ça qu'au bout d'un moment, on progresse en tant que coach. Merci beaucoup et merci à tous pour vos échanges, pour votre participation, pour votre partage. Comme d'habitude, quand vous allez clore cette session, vous serez redirigé vers un formulaire de satisfaction. Donc, et les spectateurs et les conférenciers, je vous demanderai de prendre un petit temps pour remplir ce questionnaire de satisfaction. Il est aussi disponible pour ceux qui nous regardent sur YouTube en direct ou en différé. Et voilà, donc n'hésitez pas à remplir. Merci beaucoup. La semaine prochaine, deux webinaires. Un webinaire spécial sur le devoir des éducateurs et une sensibilisation à la lutte contre les violences sexuelles mercredi après-midi.
Et puis jeudi, à nouveau, un webinaire sur les entraîneurs qui concerne la mobiliser un groupe, un collectif ou une équipe dans le cadre d'un sport individuel comme le nôtre. Merci, à bientôt. Au revoir.